Yo? Yo? Yo. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Jackie et Mi des aventures de Jackie et Michel. C'est qui tous? Comment ça va, Jackie? Non, c'est moi. Comment ça va, mon bon Michel? Il commence fort, le C'était pour Jackie, mais pour de voir si tu suivais. ouais, c'était pour voir, c'était vrai, ouais. Le mec, il est Alors, passé à la cantoche avant de venir et ça y est, il n'en peut plus, il est au bout de sa vie. Il y a deux bières et il n'y a plus de bonhomme. je crée le convoi. Sérieux, quoi. En plus, il veut vous la faire. Non, mais il vous la fait à l'envers parce qu'en plus, il s'auto-corrige dans la foulée. Il me laisse même pas le temps de réagir à sa Oui, mais connerie. c'était pour te déstabiliser, en fait. Je vois plutôt que c'est moi Voyage avec ma question rapide. qui t'a Nous avons déstabilisé. dit qu'on se donne rendez-vous. À Seattle. Seattle, Seattle, dernier arrêt. Moi, ce que je vois. Non, c'est pas ça. Ah, il y a Firecracker. Mesdames et messieurs, nous Firecracker. sommes arrivés à Seattle. Seattle, 2 minutes d'arrêt. Oh, c'est le terminus. Bah oui, confirmez le voyage rapide. Votre Ok. camion n'est pas prêt pour un voyage rapide. Réparez votre camion. Oh D'accord. putain. Non, Ah bah mais oui, tu peux pas y faire a de pas de voyage rapide souci. sans réparer. J'accepte. Je répare. Je répare et je vais à Seattle. C'est n'importe quoi, mais bon. Alors. Non, j'ai eu le cas la dernière fois aussi. Alors, les missions à partir de Seattle. Ah merde, ça me dit qu'il n'y a pas de mission. Ah bah ça, c'est ballot. On est mal barré si ça fait ça. Alors attends. J'ai le bug des contrats externes qui marchent pas. Attends, je. Hop. Ouais, putain, ça part d'Astoria, les Prêt à trucs. rouler. Non mais genre, il n'y a pas de mission qui part de Seattle, alors j'ai des missions qui vont à Astoria. Vous foutez de ma gueule. Alors attends, hop. Ouais, mais nous, on veut pas aller dans ce sens-là. Alors attends, où je suis? Attends, pourquoi toutes les missions elles partent d'Astoria là ici? C'est quoi ces conneries? Je suis à Seattle moi. Il fout ma gueule le jeu, pourquoi il me propose que ça? Faut que tu cliques sur Seattle. Bah j'ai cliqué sur Seattle mais il y a zéro mission. Par contre si je clique dans le vide dans le cerf, ça me donne que des missions de Astoria. Je comprends pas du tout leur idée. Non, bah attends, Attends, je on vais. va rafraîchir. Attends, je vais rafraîchir, voir. T'as rejoint le convoi, moi? Bah oui, je suis dedans. Non, mais ça me donne que Astoria, c'est quoi ces Allez conneries? tout droit. J'ai 2 pages et demie que du Astoria. Il y a du Non, bah on cadeau, va il y a voir ce que ça, on tu va voir veux. ça. Ouais, je te laisse regarder ton côté, mais. Mais sinon, ouais, je suis bien dans la session de Firecracker. Michel est en place. Allez. Ah ouais, je suis à San Francisco. Ah oui, c'est vrai qu'on s'était laissé là. Ah, attends, peut-être qu'il faut faire conduire pour que ça charge. Parce que comme il n'y a pas eu chargement, Ah c'est peut-être oui, ta gueule allez de tout star. droit. Peut-être, ouais. Ouais, je vais regarder, mais je pense que c'est possiblement ça qui fait que ça active pas les missions des fois. Mais pourquoi il me donnerait celle d'Astoria qui se trouve à la limite du cercle liquide Tournez à donne? gauche. C'est ça, je comprends pas. Est-ce qu'il Aucune fait nuit idée. ou est-ce qu'il fait jour? Nuit. Parce qu'avant le TP, il faisait jour, moi. Ah putain, on arrive chez Nuit, il est Compagnie. 3 h du matin. Oh putain, moi il faisait jour. Ouais, Je mais il suis va deg, bientôt j'ai. faire jour, il est 3 h du matin. Ah ouais. Non, mais parce que les dernières missions que j'ai fait, il faisait nuit aussi. J'ai pensé à toi. Je me suis dit à la banane. Alors. Ah, j'ai que des missions pour Astoria, c'est Allez quoi tout ce droit. délire? Bon, bah, je te laisse regarder. Hein. Ouais. Même en partant d'Astoria, il n'y a rien de fou parce que c'est pour aller à Allez tout droit. Sacramento, Stockton. Après, c'est des pneus. Il y a beaucoup de pneus. Cadeau là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a vers l'Oregon sinon pour aller à Burns. Ça part toujours d'Astoria quoi, donc c'est un peu problématique. Le Tournez à but c'était de droite. visiter un peu les états qu'on a récoltés. Et si je mets juste comme ça pour voir les missions d'attraction. Putain, pourtant j'ai joué sans toi, ça allait très bien. J'ai été trouver des missions dans le trou du cul du monde. Et là, que Et dalle. allez, accident. Et tu vois pas que je suis en train de tourner, espèce de débile.
Ouais, pourtant j'ai des missions, hein, quand je suis en contrat externe, j'ai des missions à Seattle. C'est ici que ça se termine. C'est vraiment en contrat externe que j'ai rien. Franchement, les PNJ, c'est vraiment une catastrophe. Ah bah on change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de dire. Guillaume. Réparation. Réparer. Putain, grâce à l'assurance. Oh, il y avait une belle mission Seattle Sandpoint. L'assurance tout risque là qu'on a. Ouais, gère. Ça coûte que dalle quoi. Alors, voyage rapide. C'est pas grave, je vais refaire. On va faire stack. Seattle. Oui. Putain, y a pas de. Ils auraient pu nous mettre des cadeaux là, comme ça, qui allaient dans ce sens là. Putain, ça aurait été cool ça. De ouest en est. On aurait pu aller jusqu'en Idaho, comme ça, le nord de l'Idaho, et après on aurait pu descendre. C'est moi qui vais descendre. Ça m'étonne pas que tu veuilles me descendre, mais il y avait même une mission qui allait jusqu'au sud-est de l'Utah. On aurait traversé l'Idaho et l'Utah, avec voiture compressée 22 tonnes. Alors Seattle Moab. T'es con, ça. Tac. Alors toi, est-ce que t'as des missions cadeaux? Tac. Alors attends, je vais me mettre en convoi. Alors, que je vois cadeau. J'en ai un. Vas-y, c'est quoi? Seattle Saint-Georges. C'est où Saint-Georges? C'est en Utah, en bas de l'Utah. À la frontière de l'Arizona. Ouais, je vois où c'est. Bah c'est cool ça, ouais. Vas-y, les tests. J'ai celle-là. Regarde si t'as autre chose, mais. J'ai Heisenberg, mais ça nous fait traverser toute la Californie. Ouais, non. Et j'ai Winnenuka, j'ai. Ouais, mais ça va nous envoyer par le Nevada, par l'Oregon. T'en as pas une qui va vers l'Idaho? Genre Coeur d'Alene, Sandpoint. Alors, Saint-Georges nous fait passer Oregon, Idaho. Ouais. Ah bah ça et c'est on nickel. Traverse viens, l'Utah. Bah moi je dis viens, on prend celui-là. Hein. Bah si ça passe, ouais. Bah on teste, ouais. Bon après normalement les cadeaux c'est ça, je comprends pas pourquoi ça passerait pas sachant que j'ai les trucs. Bah non, ça me met le truc, ça veut pas. Putain, je comprends pas ça. Je comprends pas pourquoi ça je peux pas prudent. Le faire. Ça veut pas. Vous me possédez pas le. Bah non, ça me dit que j'ai pas le DLC, mais comment je peux pas avoir c'est le DLC conneries. Pour un. Mais bah oui. Est-ce que tu peux regarder dans tes attitudes? Ouais. Ah, la distance, tu penses? Ouais, long trajet. Alors, attends, normalement, il me reste un point long, dans tous long, les cas. Longue distance. Normalement, je suis full, hein, il me semble. Ah non, peut-être qu'il m'en manque un. Attends, c'est quoi le dernier? Ah oui, attends, plus de 1000. Ah, bah attends, j'ai un point. Je vais le mettre. On va essayer. Vas-y, j'ai 1000 points. Ah, il me manque un point dans les trajets, fais voir. Non, ça me met toujours rouge. Et ça me saoule quand ils disent DLC machin, on sait même pas c'est quoi, en plus c'est juste transporter les cadeaux. Bah oui c'est les cadeaux, donc normalement je préfère les cadeaux, j'ai accès je vois pas là à quoi j'ai pas accès, on a les états tous les deux. Ouais t'as, t'as l'IDAO. Bah oui. Ouais donc c'est ça. Bah oui parce que je t'ai dit j'ai des missions moi qui vont là-bas. Donc bah vas-y réessaye, tu cliques sur Seattle et puis tu... Ah ça me met impossible. Est-ce que je redémarrerai pas le jeu? Non, j'ai enlevé et j'ai plus la mission. Non mais moi je parle pour... Parce que moi j'ai pas de mission qui part de Seattle, c'est ça le problème. Même pas en deuxième page? En deuxième page j'en ai trois. Ah j'ai en zéro page moi. Moi, toutes les missions, le problème, c'est qu'elles partent tous d'Astoria et je sais pas pourquoi. J'ai pas accès aux autres missions, c'est ce que je te disais juste avant. Je comprends pas pourquoi, moi, il veut absolument que je parte de l'Oregon. J'avoue que là, je comprends pas leur système. J'ai beau rafraîchir pour faire la synchro et tout, autre chose, non, ça me donne que les missions. Alors je sais pas, je me demande est-ce que je quitterai pas et je relancerai le jeu pour voir s'il me donne autre chose. Ou on se téléporte sur une autre ville. Bah sinon je pars, ouais, sinon faut aller à Astoria. Attends, Astoria, je peux nous emmener jusqu'en Idaho. Voyage rap...
Rapide. J'ai 130 ou... Ah, mais Astoria, j'ai jamais été. Oh putain, la baiserie. J'ai jamais été à Astoria, moi, ça me paraît bizarre. Pourtant, on est passé. Non, mais je sais pas, on peut partir de Port Angeles, Spokane, on est à côté de du Idaho, on regarde si. Spokane, ouais. Vas-y, je me TP à Spokane, ça nous aura coûté cher. Je TP, on verra si là-bas ils me donnent des missions. Hein. Parce qu'après on a la frontière avec l'Idaho, peut-être qu'on aura des missions qui nous font aller par là-bas. Ce qui serait bien, c'est con, parce que ouais, par contre je me rappelle pas qu'on n'ait pas mis les pieds à Astoria. Ah non, parce qu'on est arrivé, on a pris ton raccourci. On avait pris le ferry pour aller à Port Angeles. C'est la seule fois où on y a été, c'est pour ça qu'on n'a pas fait, on n'a pas encore beaucoup visité finalement le Washington. En même temps, si on met une semaine à chaque fois à choisir des missions à cause de leurs trucs chelous, on ne sait pas pourquoi. Ouais, alors, Je suis sûr que c'est à cause d'un vieux DLC dégueulasse en plus. Hein. moi, il me propose. Waouh! Nouveau-Mexique, Las Cruz, Attends, je te dis ce que j'ai moi, hein, en espérant que j'ai Ogden, quelque chose. Aucun contrat n'a été trouvé autour de. Bah là, j'ai carrément rien. Lakeview, Non, mais ils se foutent de ma gueule là. Ontario. C'est couille en fait. Ontario, tu peux le faire au pire. Hein. Ça nous rapproche, on reste sur la frontière Idaho, hein, si tu regardes bien. Bah ouais. En fait, le trajet nous fait passer. Au pire d'Ontario, on essaye de faire On fait une. Washington-Oregon. Ouais, c'est ça. En fait, on reste. En plus, on est pile sur l'axe de la frontière Idaho-Washington-Oregon. Si tu veux, ouais, bah, je vais faire ça. Donc, au pire, on se fait ça. Les cadeaux, en plus, ils n'ont pas été faits full là-bas. Non. Et après, on cherche une mission qui va vers l'Utah. Alors, Mais j'avoue que leur bug, là, c'est chelou, ça. C'est on y toujours va. une fois sur deux. Voilà, tu me dis si tu peux prendre. Non, bah non, je peux pas. Putain, mais c'est Ah, vas-y, abusé. ça me saoule. C'est quoi ce bordel? Pourquoi je peux pas? Non, pourtant, cadeau, Spokane, Washington, Ontario, 410 miles. Essaye Une raison sans essaye de avoir. voir toi si t'as une mission Ah, Spokane. j'ai pas du tout de mission, justement, c'est ça le Re problème. relance ton jeu peut-être? Bah, c'est ce que je vais faire, parce Parce que là, il me dit vraiment, là, il me dit que rien. c'est vraiment bizarre, hein. Ouais, là j'ai vraiment rien de chez rien. Je relance. Ouais, revenir plus tard. Ouais, je te dis, je comprends pas. Accepter la progression. Ok, donc j'ai quitté. Relançons le jeu. Ouais, je sais pas, il m'a fait une micro mise à jour rapide de 4 secondes pour 122 MO, il Il m'a fait dit. toujours ça. À chaque fois que je finis Ah le ouais? jeu, il fait une mise à jour. Enfin, il dit que Je ça a fait une comprends mise à pas. jour ou quoi. J'ai jamais compris pourquoi. Moi non plus. Ouais, c'est récent ce truc-là, et ça fait ce délire. Que j'avoue que j'avais remarqué aussi. Alors, au début, c'est chiant. On a toujours des problèmes, on ne sait pas pourquoi. Pourtant, on a Voilà, mais. pratiquement les. Pourtant, les Non, DLC qu'on rien à utilise part des. ne sont censés pas s'appliquer sur ces cargaisons-là, donc je comprends pas. Bah, surtout que les seuls DLC différents, c'est soit certaines missions spécifiques que j'ai pas, ou après c'est plus de la cosmétique, quoi. Ah oui, Que t'as en. ça fait partie d'un event. Je comprends pas pourquoi je dis. Je prends d'un point A à un point B, ils disent bah non, t'as pas le DLC. T'as pas besoin du DLC pour transporter une cargaison. Mais surtout que j'ai que ces bugs que quand je suis avec toi. En Merde, mais non, convoi, pas. bah oui. C'est ouais, c'est dès que je suis en convoi, parce que sans le convoi, j'ai pas de soucis. Attends, je vais pas accepter le convoi, juste comme ça, là, je vais pas rentrer. Je vais aller voir les missions là qui me proposent sans ça. Genre en mode solo. À moins que c'est toi Non, qui crée le vraiment, je suis convoi. bugué. Non, mais j'ai rien. T'as rien du J'ai tout. encore. Non, j'ai de nouveau le bug qu'on a déjà eu à quelques reprises, on ne sait pourquoi. Bon, voyage rapide. On va se mettre Ontario. Non, c'était où que tu pouvais partir? Bah, Astoria, mais j'ai pas accès, moi. Parce que Ah j'ai ouais. jamais. T'as jamais été.
Et t'as pas une autre mission sinon? On teste une autre mission hein, pour voir. Si ça va vers l'Oregon, au moins pour tester. Parce qu'au pire, soit par Burns ou... J'ai... Attends. Merde! Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? J'ai Ogden. J'ai Lakeview. Attends, j'entre dans le convoi. Ah, Grangeville, qui est pas loin. Yakima, ça nous intéresse pas. Je vais essayer Ogden, on verra bien. je sais pas, ça en plus remorque, ça me met plateau. Pourquoi ça met C'est plateau? parti. À chaque fois, Pourquoi? c'est pas des plateaux, les cadeaux. Bah non, j'ai pas l'impression. Donc, je comprends pas pourquoi ça met plateau pour ce genre de livraison. Vas-y, regarde si tu peux le prendre. Non, non, ça me met rouge aussi. Oh putain. Je me demande si c'est pas à cause de la remorque que ça fait ça, mais la remorque, ce serait quoi? Mais j'ai pas de DLC plateau. Ben non, justement, ça, je comprends pas. Conneries qu'il Mais je vois raconte. que... Mais je vois pas où ils disent que je peux pas. Ah ouais, remorque plateau. Ouais, ça précise plateau alors que c'est pas un plateau, normalement c'est une remorque remorque quoi, c'est un camion plein comme un camion de Compétence, livraison. livraison standard, donc je comprends pas. Ouais, non, après c'est livraison standard, c'est y a rien d'exceptionnel. Et dans les DLC, j'ai pas un DLC spécial plateau. C'est pas Et grave. après, mais comment dire, mes DLC sont bien affichés parce que je vois les villes en Idaho, je vois les villes en Ouais, Utah, je non vois. mais. Tu sais Enfin, il n'y a pas de quoi? souci, sinon tu vois rien. Genre Wyoming, pardon, je vois pas les villes vu que je l'ai pas. Tiens, je vais terminer le. Hop. Voilà, plus de Tu veux que je convoi. crée? Plus de convoi. Vas-y, crée le convoi et puis. Alors, convoi. Comme ça prendra sur toi et ta partie. Héberger un convoi. Je crois qu'il faut rien toucher normalement, hein. C'est déjà fait Ouais, d'office. on a tout mis. Ça garde C'est tout en bon, c'est fait. créé. C'est créé, c'est créé. Alors, convoi. Ça doit être toi, ça. Donc on voit tes DLC. Rejoindre. Ah, mais je vois pas l'émission. Putain, c'est dingue ça, ce bug de pas voir l'émission. Et ça veut dire que même solo, je pourrais même pas me trouver une mission là maintenant. C'est ça que je trouve fou. En gros, je pourrais pas jouer. Faudrait que je me déplace à un endroit, Donc, faudrait que j'aille moi-même. tac. C'est ça que je trouve dingue. Tiens, on va tenter ça. J'en ai pris une. Vas-y. Dis-moi si tu peux. Non. Spokane Salt Lake. Non, non, ça me met pareil. Vas-y, casse les couilles. Prends une mission qui n'a rien à voir avec les cadeaux, juste pour voir. Il est temps d'aller travailler. Ouais, abandonné, oui. Regarde juste comme ça. Test avec une mission lambda, quoi. Parce que je peux prendre même les multi-remorques, là, les plateaux et tout, qu'on les a déjà faites ensemble. C'est pour ça que je comprends pas. Et avec les bulldozers, les trucs, tu sais que le double remorquage, la double remorque, les trucs comme ça. Non, celle-là, je vais pas faire ça. Si, on va faire ça, vas-y, on verra bien. Prends une random, vas-y. Bah, j'ai pris la première, mais c'est une chargée, donc. Non, ça me met pareil. Non, vous ne Ouais, parce possédez que. pas. Là, j'ai pris un gros, là, c'est. Il est temps de Porte-engin. prendre la route. Attends. Abandonné. Pourtant, j'ai hein, normalement un remorque. Ah, voilà, remorque articulée. Chargement lourd, normalement, je l'ai aussi. J'ai le heavy, je sais plus quoi là. Ouais.
Ouais, non mais attends. Donc je comprends je pas c'est quoi leur DLC. Attends, hop. Ah mais on est Là. vraiment maudits sur ce jeu. Hein. Tiens, je vais même prendre ça. Voilà. Non. Pareil, porte-engin, livraison standard, marchandises fragiles. Pokéine, Tukum, Kari, je peux pas non plus. Oh, bah vas-y, ça me suffit. Alors, Allons-y. ça met le bug DLC là. Bah vas-y, prends, hein. Essaye de trouver quelque chose. Ah ouais, c'est compliqué. Bah non, parce que en Parce que... fait, si tu s'il y est pas sur ta ville, essaye de cliquer sur une autre ville. S'il y a quelque chose, on regarde si on peut se téléporter là-bas, en fait. Attends, voyage rapide. Je vais te dire ce qu'on peut aller. Regarde avec. Bah tiens, on va peut-être partir. Je sais pas, t'as pas. C'est quoi que. Cœur d'haleine? Et si je vais sur place dans une entreprise? Ouais. Peux pas faire ça? Normalement, il est obligé de trouver quelque chose. Ouais, mais est-ce qu'il va y avoir un cadeau en partant de cette entreprise? Bah, on est quand même à Spokane, c'est pas une petite ville normalement. Ouais, t'as un Walmart juste à droite, en sortant. Bah, attends, je Si charge et je vais aller par là. on est censé être sur la même position, bah si, je te vois. Donc, à droite, il y a un Walmart. Ou on est sur un Walmart, je crois. Non, on n'est pas sur un Walmart. Mais il y a un Attends, je vais Walmart à dire. droite. J'avais pas du tout chargé ma partie, donc vu que j'ai. Bah oui, j'ai quitté le jeu. Mais j'avoue, là, je comprends pas, je te dis. En plus, j'ai zéro problème, j'ai joué encore quand dimanche. Alors. Juste s'il peut me mettre le GPS, là, ce serait cool, merci. La sortie, elle est où, à gauche? Je vois pas. Ouais. Oh, il y a un point d'interrogation. Bah c'est un réparateur ici, non? Et il y a un autre truc aussi. Attends, le Walmart, tu m'as dit il est où à gauche? À droite. À droite? Attends, quand tu sors. Ah c'est un concessionnaire. Bah moi, à droite, ouais. Quand tu Oui, de toute sors, façon on peut c'est à pas aller à droite. gauche. Putain, je me suis fait niquer parce que j'ai laissé passer toutes les voitures, alors j'aurais pu y aller. Et il y a un feu! Oh là là, oh, je déteste ces passages-là. Et il est où le Walmart? Il est après à gauche, non? Tout de suite à droite, en fait. À droite et à droite? Ouais. Attends. Est-ce que je vois pas? Est-ce que je vois une zone là-bas où il y a écrit Spokane sur le GPS? Ah mais par contre les mecs, faut pas tous débouler là comme ça. Oh, non non, ils vont nous coincer, c'est con. Oh là là, c'est orange. Ah bah j'allais faire la même. Mais en me mettant. Ouais, voilà. J'allais rouler sur le trottoir, moi. Oh là, Ah il y a un oui, il est là. décapotable. Ça me fait chier, la décapotable. Oh putain, qu'est-ce que t'as fait? Il y a une décapotable derrière toi. Oh là Je te là. Vas-y, avance. Voilà. Eh, elle recule sur moi, la décapotable. Elle est folle. Donc, c'est où? À droite, à droite? Ouais. Attends, moi, je suis coincé. Hein. Tente la décapotable. Voilà, avance, la décapotable. Ah, c'est bon, c'est vert. Je te rejoins. Putain, ce qu'il faut pas faire, quoi, c'est dingue. Ah oui, je vois où il est, le Walmart. Attends. T'es Merde, sûr que c'était là? la mission elle est à gauche. Non, c'est de l'autre J'ai côté. rentré trop tôt, je crois. Non, tu peux récupérer sur le parking à gauche, non? C'est écrit interdit au camion, mais bon. Ouais, mais t'aurais pu passer, de toute façon, maintenant que t'étais là. Alors attends, je vais te dire ce qu'on Vas-y, vend. prends, ouais. On va voir, hein. C'est obligatoire qu'il y ait des missions ici. Ah bah oui. Non, aucun contrat, putain, mais c'est dingue, il n'y a aucun contrat dans cette entreprise. Pourquoi j'ai pas accès? Et toi, si t'y vas, il y a quelque chose, bref, au revoir. Putain, mais Alors, c'est dingue ce contrat jeu. externe. Bah ouais, j'en ai plein. Ah, mais j'ai pas accès. Je te dis, je sais toujours pas pourquoi. Pourquoi le jeu nous interdit d'avoir accès?
J'arrive pas à comprendre pourquoi. J'en ai des flopés. Voilà, j'ai des contrats. Par contre, j'ai des offres de traction, des trucs comme ça j'ai. J'ai 5 cadeaux. Ouais, mais moi j'ai pas accès. J'ai la croue, j'ai. Oh, c'est bizarre ça. Non, j'ai accès qu'aux offres de traction. J'en ai un petit là, une offre de traction. Tu veux qu'on essaye? Il va vers l'Idaho. C'est vraiment un petit, hein, c'est 200 miles. Ouais, vas-y. Il se finit dans 2h44, mais comme on est à côté, je pense que ça devrait le faire. Est-ce que ça m'emmène ici au moins? Pour voir. Hop! Non, c'est pas ici parce qu'ici il m'emmène à Kenwiki. Alors pourquoi je le vois pas? Je l'ai ajouté sur mon GPS. GPS, mets-toi. Voilà, ok. Bon, bah, faut que je fasse demi-tour. Elle se prend pas ici la mission. C'est bizarre que ça merde comme ça. Ah non, mais c'est pas la première fois que ça nous fait ça. Hein. Alors, c'est à 7 miles pour aller chercher la mission. Je Bonjour, respecte. bonjour à tous ceux qui arrivent sur le live. N'hésitez pas à dire un petit Bonjour. coucou dans le chat pour prouver que vous êtes bien là. Que vous êtes des êtres vivants capables d'écrire. Ouais, parce que je vois mon compteur qu'il y a des gens, mais personne ne parle, donc je sais pas si c'est un robot qui vient de se pointer ou quoi. Les robots nous attaquent. Je comprends pas comment ça se fait que il y a des merdes comme ça. Je sais pas, je t'avoue que là, alors là, j'ai beau chercher. Oui, pourquoi ça fait ça? Je sais pas, après, il faut peut-être que tu. J'allais dire un truc, mais non. Je Sûrement. sais C'est pas. sûrement une connerie. Oh, c'est même sûr. Non, mais je Ah merde. pensais à une vérif de fichier, tu sais. Non, j'avais fait il y a pas longtemps, j'ai pas Ah eu de ouais, non, mais soucis. c'est. Ouais, c'est. Ouais, c'est. Puis pas. Et Bon puis après le problème, c'est. ça peut revenir, mais ça fait un moment que j'ai pas eu ce souci-là. Bah moi aussi ça faisait un petit moment, mais je sais pas, c'est revenu d'un coup là. Ah, t'as tes gyros qui sont mis. Hein. Hop, y a plus. Ah ouais, il nous fait carrément sortir en dehors de Spokane là. Calme-toi, grand-père, c'est 60. Ouais, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude qu'on monte aussi vite d'un coup. Le camion est vide, ça vous change la donne. Et tu vois, aux États-Unis, leur problème, c'est que leur feu, enfin, tu sais, ils ont leur clignotant qui est rouge, comme les feux, tu sais. Oui. Donc, va voir un truc rouge clignoter. Nous, on a l'habitude du orange pour dire faire une sorte de distinction. Mais eux, leurs feux arrière sont rouges et leur clignotant, il est rouge aussi. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ça arrive.
Bah j'ai freiné mon camion et il s'est mis à reculer. Ah, il faut lâcher la pédale de temps en temps. Ah, c'est bon monsieur, ça vient seulement de passer vert, calmez-vous. C'était purement aléatoire. Au moment où j'appuie sur mon klaxon pour faire un coup de klaxon, parce que voilà, ça passe au vert, donc je me suis dit. Non mais c'était vert, genre il s'est arrêté. Mais c'est quoi cet ordi? Genre il savait que ça allait passer à l'orange. L'autre il a campé devant. Sérieusement? Bon, on est presque arrivé. C'est toi qui fais un bruit de marche arrière? Ouais. Quand j'appuie trop fort sur mon frein, il se met en marche arrière, ça me saoule. Ah, j'ai l'habitude. C'est comme ça que j'ai mis aussi. Ouais, mais moi j'ai pas voulu en fait. Depuis que j'ai changé de manette, ça s'est mis comme ça. Bah, le truc c'est que moi quand même, il faut que. J'ai un délai quand même entre le moment où je passe à zéro et le moment où il passe en marche arrière quand même. Donc il faut vraiment que je bourrine pour que ça. Alors vous inquiétez pas, on va partir. Là, on est parti chercher la remorque. On est parti chercher la cargaison. Parce que voilà, petit souci technique oblige, on est obligé de s'adapter. Ah bah oui. Non mais tu noteras qu'on a une certaine adaptabilité à chaque fois. Bah on n'a pas le choix en même temps. Si on s'adapte ou... On a pas le choix. Bah c'est ce qui est arrivé des fois précédentes. C'est vrai. Il n'y a qu'une fois que ça arrive. Je dirais deux. Ouais, il me semble. Je crois fin d'année l'année dernière et début d'année, donc. Allez, on est arrivé normalement, c'est ça? Ouais, il faut tourner à droite là et après encore à droite. Mais ah, c'est bah, dommage, c'est j'ai une voiture fort. Juste devant moi. Et elle tourne pas à droite, malheureusement. Non, elle va tout droit. Malheureusement pour nous. Bougez-vous, sortez-vous les doigts du cul! Les mecs, ils foutent la merde! Oh là là! Oh, ça arrache le feu rouge! Non, je l'ai pas touché! Oh bah, moi je l'ai vu, il est tombé par terre! J'ai arraché le. Comment ça se dit? Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? Feu rouge, bouche d'incendie? Il y avait une bouche aussi, donc. Alors! Parce que le truc, c'est qu'il faut que tu prennes la cargaison pour que je puisse accepter la. Je sais. Alors attends, on a dit laquelle? Grangeville, hein, c'est ça? Bonjour à tous ceux qui arrivent, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le. Ah si, j'en ai une belle si tu veux. Dans le j'ai spoté un raton. Pour prouver que vous êtes des humains. Une 1500 miles si ça t'intéresse. On traverse tout l'Idaho, l'Utah et on va jusqu'au Nouveau-Mexique. Ouais, mais le but c'est de faire les cadeaux, non? Bon, après, oui, on s'en fout. Mais ouais, à la base. Si on est bloqué par les cadeaux, autant se faire une belle et pas se retrouver bloqué. Oui, ça, oui, oui. Mais le truc, c'est qu'avec le truc de fret là, on a du temps et je sais pas, il reste combien de temps avant la fin de la livraison. 10 heures. Ah bon, ça va faire. Ça nous dit 26 heures. Ouais, ça fait peut-être un peu short. Ouais, mais l'autre, il reste plus que 45 minutes maintenant. Celle qui va à Grangeville. Bah, le problème c'est que quasiment toutes, sinon elles vont dans l'autre sens. Elles vont soit en Californie, soit en Oregon. Ouais, bah je sais pas, vas-y, choisis-en une et puis on verra bien. C'est pour ça que d'habitude je prends dans les World of Truck parce que le temps, c'est du temps réel. Ouais, non, mais je sais, ouais, mais le problème c'est que même en étant ici, je retente, mais ça me dit il y a aucun contrat dans cette entreprise. Ouais, bah alors non, toi tu regardes, ça va te dire oui. Et le problème c'est que les offres de traction, ouais. Vas-y, prends, on s'en fout.
Moi, ouais, sinon, je prends une petite, hein, quitte à perdre de l'argent, on perd de l'argent pour une petite. Ouais, bah ouais. Et on voit à Grangeville ce qu'on a. Allez. Bon, ça me fait un peu peur parce que, vu le nom Grangeville, mais bon. Ah, c'est en Idaho. Alors, attends. Ma remorque, elle est où? Non, arrête-toi, hop. Elle est là. Tac. Tac. Parce qu'après, le but, c'est de la visite, quoi. Hop. Et on transporte quoi? Ah, je sais même pas, tiens, en fait, je te l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai oublié. Du lait en poudre. Comme il par est temps hasard. De prendre la route. Enfin, pour les autorités locales, c'est du lait en poudre. Pour les autorités locales. Ouais, comme on passe pas grave à Californie, c'est bon. On sait très bien que. Hein, hashtag allez, Mexique. Allez où? Allez. Non, mais moi je dis, on va se faire un lycée, on va jusqu'à Grangeville et on voit ce que ça donne. Comme ça, au moins, on va en Idaho. Parce qu'en plus, je crois que j'ai fait aucun truc en Idaho avec toi. La seule fois, j'y étais qu'une fois, il me semble. Et c'est quand t'as eu ton bug. Oh lolo, ça a l'air bizarre, ouais. Ça. C'est quand t'as réparé le jeu et finalement, après l'avoir réparé, tu l'as désinstallé pour le réinstaller, ce qui a été 100 fois plus vite. Ouais. Donc on n'a pas pu partir ensemble. Oh lolo, le mec, je le suis en plus, putain. Tiens, tu sais que je voulais vérifier si t'allais me suivre. Bon, en même temps, on transporte une remorque. Tournez à gauche. Je me suis dit, le gaillard, est-ce qu'il va une me suivre? Une remorque qui n'a pas de nom, hein, donc... D'habitude, on a toujours un nom, un truc, et là, il y a rien. Donc, je peu trouve importe, ça encore plus vous suspect. Trouverez un nouvel itinéraire. Mais t'es parti comment où ça? Veuillez c'est sur le parking dès que possible. Ça suffit. Je voulais savoir encore. Qu'est-ce qu'il nous a fait, lui? Tu as les yeux fermés, le gars. Bah, bien sûr, je te suis, j'ai les yeux fermés. Oh, Jackie. T'es devant moi, je te suis. Le mec, il tourne. Je dis merde, c'est quoi cette route? Regarde maintenant, toute la circulation qu'on se tape. Bah quoi? J'ai voulu vérifier si t'allais me suivre. Oh le gaillard, non, 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 tu t'es planté si, royal, si. Ouais. Non, 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 c'était prémédité. Parce que je me suis dit, le mec il me dit, voilà, il me suit bêtement, il prend le côté en sens gars, inverse. Pendant qu'on attend, hop, petit tour de mon intérieur. Alors j'ai ma vainée, j'ai mon dé, j'ai mon alien, on a fait un gâteau. Ma bouteille d'eau. Si t'as une vaillinée, mon fais-moi oreiller un gâteau, étoile, mon c'est drapeau américain et mon petit lit. Et bah c'est tout. Faudrait que je rajoute des trucs. Je vais peut-être mettre. Faudrait que je rajoute un truc sur le fauteuil droite, même si je mettrai le. Pas le bordereau de livraison, mais peut-être le. Ah si, ouais, c'est... Je sais pas... Oh là! Non! Non. Il a pas arraché le panneau. Tournez à droite. Ah, c'est cool. Les deux voitures devant nous tournent à droite. Donc on a feu rouge pour nous, tu peux t'incruster. Non, j'ai fait attention, j'ai pas arraché le panneau stop, j'avoue. Je suis à deux doigts, mais normalement ça passe. Bon, allez, je la joue normale cette fois-ci, je te mets pas des fausses pistes. Parce que j'ai vu que ça te perturbait, que tu suivais. Ah, moi je suis, hein, tu veux être n'importe où, je te suis. Ah, le mec, je saute d'un pont, il prend la route pour non, sauter mais d'un t'as pont. T'as vu là le problème de la circulation? Imagine, je t'aurais pas suivi. Je serais déjà parti et j'aurais dû t'attendre. Enfin, oui. Ah, ah. Mais je savais que t'allais me suivre. J'avais parié là-dessus. Car en plus, on aurait pu partir de jour et maintenant il fait nuit. Ouais. Avec cette vitesse là, mon bon Michel. Ouais, je sais. Ça descend un peu, c'est pas de ma faute. Parce que je touchais même pas l'accélérateur. Je m'arrête à station service. Vas-y, vas-y, j'ai allez, fait le tout plein. Droit. À
merde, c'est sur la droite. Ok. Elle est là en face. Ouais, non mais c'est pour ça, c'est avant le tournant, donc c'est bon. Ouais. Non mais comme ça je vais te suivre s'il y a personne derrière toi, comme ça je t'attends sur le côté. C'est mieux que de voir avancer et bloquer tout. Ou au pire, je t'attends. C'est dommage. Je me mets. Il y a quelqu'un qui est collé derrière moi. Vas-y, go. Vas-y. Ah merde, oui, je vois. Ah oui, tu vois. Regardez, c'est Michel. Non mais regarde ce que je vais faire. Non mais attention. Vas-y. Je te bloque la sortie. Ouais. Comme ça, tu vas à la station, mais tu pourras sortir tout de suite. Je vais attendre là. Parce que nous, on tourne au feu rouge à gauche. Alors, je vais laisser passer la voiture et je vais me mettre carrément au biais même. Pour qu'on puisse avoir notre côté gauche. Parce qu'on tourne au fond. Donc, si je prends les deux voies, ça devrait être bon pour toi. Alors, attends, je vois ta remorque là, mais je vois pas où t'es. Ah, je suis juste devant ma remorque. Ça, je me fais tout. Je vois plus la remorque maintenant. Non, ouais, ce que je veux dire, c'est. Quand je t'ai laissé passer, j'ai mis ma vue sur le côté pour qu'on te voit dans ta cabine. Ah. Non, c'était pour que tu me dises si t'es bon ou pas, quoi. Parce que là, je t'ai perdu de vue. Parce que là, j'ai bloqué la route, tu vois, et j'ai bloqué les voitures. Donc, ouais, je te vois, t'es en train de faire la marche arrière. Attends, mais pourquoi je t'entends en plus? Qu'est-ce Vas-y, qu'il fait? Comment avance. C'est bon? Ouais. Attends, c'est rouge. C'est bon, c'est vert. Go, go, go. De toute façon, il y a pas beaucoup dans le monde. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Il t'a croisé. Ouais, mais c'est bon. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Oh putain. Mets-toi sur la voie de gauche. Ah, en plus, ça va être à nous, je crois. Je peux pas. Vas-y. J'attends que... Je suis comme un gros... Regarde dans ton rétro à droite. Mais je te vois, t'es en plein milieu des deux voies. J'ai fait un barrage. Ouais, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, juste avant. Opération escargot, messieurs, dames. Non, voilà. non. On fait grève. Ah là, surproduction. Non, je sais pas. Non, on veut être payé plus cher pour notre lait. Waouh. Et allez. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je me suis pris la totale. Feu rouge, plus les flics. Non. Tu te rends compte, le truc est passé au rouge direct. Ouais, non, mais des fois c'est abusé, hein. Sachant que j'ai accéléré tout de suite. Ah ouais, non, mais. Mais par contre, j'ai des gros lags là, je sais pas pourquoi. Oh, mais vas-y. Ah, on est en Idaho, welcome to Idaho. Non, mais pourquoi j'ai des lags là? Oh, c'est dangereux ça là, j'ai un très gros lag. Oh, t'as disparu? Oh! Ouais. Ouais, fais gaffe, j'ai des lags. Là, je t'ai prévenu. Ah, mais t'as disparu et quand t'es réapparu, t'étais en moi. Bah oui. Donc j'ai cru que ça allait. J'ai cru que j'allais d'une, je te rentrais dedans. Et que de deux, qui allait avoir le truc de. Tu sais que deux entités, quand ils sont fusionnés ensemble, ça repousse. Et j'ai eu peur qu'il y a un ou deux qui s'envole. Non, mais tu sais que j'ai ton problème de la dernière fois, j'ai l'impression. Tenez la droite. Ah, c'est moi qui l'ai maintenant. J'ai l'impression que c'est l'autre. Et l'autre. Sortez à droite. Ah, pourtant, il n'y a pas beaucoup de MS. Ah merde, j'aurais pu tourner. Tenez la droite, puis tournez à droite. Ah, mais c'est abusé là, je vois même pas ce qui se passe. Tournez à droite. Je sais pas ce que je fais. Bah oui, je te comprends. Ouais, le jeu arrive pas à me synchroniser, j'ai l'impression. Ah bah là, je crois que j'ai craché. Non, c'est bon, j'ai décraché. Ah, t'es carrément passé devant. Ah oui, je vois que ton droit il est derrière. Non mais c'est quand on a changé d'état, c'est chelou. Ah, cœur d'haleine découvert. Attends, ouais, non, les lags au freinage, par contre, ça le fait pas. Je préfère prévenir. Tu pouvais te mettre à côté de moi. Ouais, non mais je me suis recentré. Hein. J'étais en train de laguer et je me suis dit je vais me mettre au milieu de la route. Putain, c'est abusé, ouais.
tout se passe bien. C'est quoi ce bordel? Tenez la droite, puis sortez à droite. Non mais les lags là c'est... Oh wow, j'ai failli manger un arbre avec leur connerie. Sortez à droite. Wow, j'ai failli vriller. T'as raison que je vais pas vite là. À droite. Wow, ça sent... Ouais voilà, oh là là, mais c'est abusé, ça va m'énerver. C'est moi qui vais m'énerver cette semaine. Non, je peux même pas conduire là. Je me suis mangé une rambarde. Oh, j'ai niqué un morceau du camion. Non mais je vais pas m'enrichir. Je vais pas m'enrichir en solo pour perdre ma thune dès que je suis en outil avec Butters. Ah bah c'est le but hein. Jackie, il met des malédictions, je suis sûr. Ah c'est dès que t'as été à... Oh là là, je m'en prends le camion en face. Ah c'est fait marabout, non c'est fait marabouter, putain je te vois disparaître. Ah, pas de connexion au réseau. Ah non t'es revenu. Oh là là, je te vois rollback et tout. Oh là là. Oh la boucherie. Je t'ai vu disparaître, revenir, rollback. Ah putain, ça m'a coincé la remorque en plus. Oh putain, comment je vais me sortir de ça, je vois rien. C'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. Ah non, mais là, ça... Par contre, quand t'avances à peine, tu t'es pris le dégât, là, il n'y a plus de bug. Ouais, et dès que je vais rerouler... C'est dingue quand même. Ouais. Attends, en plus je visite l'Idaho là, je profite un peu. Hein, c'est beau, c'est joli, la nuit tombe. Je trouve ça plutôt sympathique. Ouais, j'ai plus de lag pour l'instant, j'espère que ça va durer. Ah bah si, voilà, je parle et à nouveau des petits lags. C'est censé être 65. Allez, ici. J'ai peur de rouler à 30. Ah 45. Mais je pense que ça va s'arrêter après, je crois qu'on a... Alors c'est soit un rêve prémonitoire, ou soit on est déjà passé par ici et on avait eu des problèmes de lag. Ah non, moi je... Non, on n'est pas passé ici. On n'est jamais venu justement ensemble, moi je suis passé par le sud de l'Idaho. Il y a des travaux. Ouais, je vois ça. Oh putain, avec les lags, ça fait peur. Mais je vais pas m'énerver. Je vais garder mon calme. Je promets. Je vais essayer de pas me fiander. On va essayer de ramener le camion, la cargaison en vie. Alors, en plus, c'est une cargaison à 7000$. Alors, il faudrait que je récupère les thunes, histoire que ça me rembourse les dégâts que j'ai fait à cause de lag. Parce que ça va pas me plaire sinon. En plus, j'ai peur d'aller trop vite, je me dis je vais me bouffer un gros lac, je vais finir dans un ravin. Je te jure. Ah mais j'ai la tremblote là. Je confirme, je suis pas serein. J'ai peur de... Je me rappelle la dernière fois, ça m'a coûté le camion. Comment ça, j'ai pas oublié. Bah une fois, tu te rappelles plus, on discutait et tout, et une sortie d'autoroute. Ah et puis tu t'es couché et... Ouais, comme Miley. Voilà. Oh putain, le lag, je l'ai au freinage, le lag. Non mais le jeu, il se fout pas de ta gueule, quoi. Y a pas de lag, et une fois que je suis en pleine descente et je veux freiner un peu pour ajuster ma vitesse, mais le truc, il y a des micro-lags. Ah bah moi, j'accélère même plus, là. Bah, moi non plus, justement, je voulais freiner parce que j'étais à presque 70. Ah non, mais je me laisse couler, là. Au lieu de 60. Ah non, moi, c'est trop risqué. Je vais pas te mentir, c'est trop risqué. Je vois les petits lags, j'ai envie de freiner à chaque fois. J'essaie de garder les roues droites et je freine. Par à coup, tu vois, même pas genre allez, sec. Tout droit. Je me dis, il y a une voiture derrière moi qui va arriver. Il faut aller tout droit ou tourner à droite? Non, tout droit. Parce que ça te disait aller tout droit et tourner à droite, moi il m'a dit le GPS. Hein. Ah ouais, mais non. Ah, il est perturbé là. Tu vois, même le GPS il est perturbé. Alors que... Quoi? Ah bah ok, point d'intérêt. Putain, il m'a fait peur, j'ai cru que j'avais un problème.
con, je sais pas si je suis en plein phare. Ah, oh là, non, oui. J'étais pas en plein. Là, tu viens de m'éclairer, fais gaffe, je suis là. Ah non, je te vois. Comment ça se fait que tu ralentis autant? Ah bah, je t'attends depuis tout à l'heure. Ah, bah, c'est bon, je t'en rattrape. Comme j'étais à 40 avant la montée, bon, bah, forcément. Bah ouais. Ah oui, même moi je vais plus vite que toi. Ouais, et j'étais pas censé savoir qu'il y avait une montée. C'est pas faux. Là, je suis content, j'ai fait du Hollow Knight la dernière fois et il y a des gens qui sont venus et m'ont aidé. Ils ont participé. Ouais. Il y a un mec qui m'a aidé. Enfin, un mec. Ah, ça c'est cool. À cause du manque de cartes. Non, non, j'ai eu la carte, je suis tombé sur un mec, j'ai acheté la carte et après il m'a dit va voir ma femme, elle vend des objets. J'ai été voir sa femme, elle m'a dit bah il faut acheter la boussole pour repérer sur la map et la plume. Ouais, ah oui. Comme ça j'ai pas besoin d'acheter. Enfin il faut que j'achète la map, mais au moins avec la plume ça écrit le reste de la région que je découvre, tu sais. Ce qui est passé, ouais. Et par contre j'avais un souci en fait, je ne savais pas qu'il fallait aller dans mon inventaire et mettre la boussole sur un emplacement spécial pour me voir dans la map. Donc j'achète la boussole et puis je dis bah merde, je me vois pas enfin, sur la map. Je me vois pas. C'est quoi ce délire? Et le mec il est arrivé, il a dit tu te fais un défi sans boussole ou... Je dis bah non, je sais pas comment on le met. Et il m'a dit il faut que tu t'assises sur un banc et tu le mets dans ton inventaire. Mais comme j'ai pas la touche inventaire sur ma manette, donc j'ai regardé dans les options sur les boutons des... Comment on appelle ça ? Il n'y a pas une pushback ? Sur la... Non, moi c'est bon, j'ai pas besoin de passer au... À la pesée. Moi oui. Ah. Bah vas-y, alors on y va. Attends, c'est où ? C'est pas à droite, après. Non. Ah putain, le piège, j'ai failli me faire avoir. Ah oui, ok, c'est là. Putain, j'ai failli me faire avoir, j'ai failli tourner avant, moi. Je sais pas ce que c'était, ce portion de route, mais il est vicieux. C'était une route qu'on tourne à droite. Si, c'est là. Putain, mais je captais pas où il était, le truc, c'est là, ici. À droite. Ouais, c'est bon, je l'ai vu. Et comment on appelle ça? Ouais, il m'a dit faut se mettre sur un banc machin, donc j'ai vu que sur mon clavier c'était I, donc j'ai voilà. Ah bah oui, le I d'inventaire, c'est bon, tu peux y aller. Non, vas-y, je te suis. Non, j'ai des lags, passe devant. C'est moins dangereux pour toi. Ouais. Et donc là ça va mieux. J'arrive à savoir où je suis. Ah bah oui, tu m'étonnes. Par contre, forcément la boussole ça aide beaucoup. Par contre tu es en train de continuer l'aventure tout en économisant parce que je dois acheter un item qui coûte là comment ça coûte. Je crois que c'est 1000. Oh putain. Tu me laisses passer? Ouais. Le bus me laisse passer. Bah moi je vais lui forcer la voie. Et ouais, je dois acheter une boussole, enfin pas une boussole, une loupiote. Ah, un genre de lanterne hein. Ouais, une lanterne et ça coûte les yeux de la tête. C'est pour aller dans certains endroits, ça, c'est pas ça? Bah il y a des endroits ouais où c'est tout, j'ai trouvé deux en endroits seulement où il faisait de la nuit. Non non, c'est une pièce à droite. Il y a une pièce, j'y suis allé une portion et bah c'était tout nuit donc. C'était la nuit noire comme maintenant. Donc je pense que ça va un peu plus tard, ils vont me faire passer par là-bas. Oula. Ça tangue. Non. C'est houleux le coin. C'est juste que ça descend et ça fait accélérer. Tenez la gauche, puis sortez à gauche. Ah, tenez la gauche et sortir à gauche. Sortez à gauche. Ok, sortez à gauche. La voie de gauche, tout à gauche. Ah, j'y suis. Oula. Je te suis.
C'est quoi, c'est 45? Ouais. Et en même temps, C'est pas 45, pas. j'ai un camion. Il est véhicule. J'ai un camion devant moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le camion lui roule pas à 45. Ça va, j'ai réussi à gérer, pas trop rentrer dedans. C'est houleux l'Idaho. Bah là, c'était une. Ouais, une bretelle donc. C'est toujours 45 parce qu'on est dans une zone de ville. Ouais. Si on peut appeler ça. Bah ouais, parce que je vois même pas où on est. Bah c'est une ville qui est pas nous. Tu sais, c'est un village paumé. C'est les petites bourgades. Bourgade. Tu passes et. Ah bah ce coup-ci je dois aller à la pesée. Bah vas-y, ça va être là. C'est n'importe quoi. Moi aussi. Tout à l'heure ils m'ont dit non. Bah moi ils m'ont dit oui maintenant. Oula, à gauche, open. À gauche. Oui oui, c'est à gauche. Hein. Réorientation. Ah, t'avais pas capté. Non non. Cherchez où c'était. Ah tiens, il y en a un à gauche hein, si tu veux. C'est sens unique donc. Bah mais je peux pas y aller à gauche. Ah non, c'est celui-là. Parce que la part... C'est pour la. Là, c'est dans l'autre sens. Ah oui, d'accord, ouais. Bah oui, parce qu'en fait c'est une double voie. Ah effectivement. Donc j'ai envie de te dire, à part couper dans le parking, c'est compliqué. Presque là. Ah merde. Ouais, je peux le tamponner, je peux le faire. Vas-y, tu peux me suivre. Je te suis. Oh la police, tu arrives à fond de cale. Hop là, je me rabats à droite. Que nous allons bientôt tourner à droite. Alors moi j'essaye, mais il y a une voiture. Tenez la droite. Mais ça a pas l'air de la ralentir que je lui mette un coup de remorque. Tenez la droite. C'est bon, j'ai réussi à m'imposer. C'est pas si c'est là. Si c'est là. Non mais parce qu'elle me dit tourner, elle me dit tenez la droite, mais elle m'a pas dit tourner à droite. Oh le lag. Oh non, c'est dégueulasse. Je suis vénère. C'est bon, je crois que ça n'a pas fait de dégâts. C'est bon. Je me suis pris la rambarde. Bah oui, j'ai le lag au moment oui, bah où ouais. Il y a le tournant. Sortie de tournant en plus, hein. C'est pas genre quand t'as entamé le truc, non. C'est quand t'arrives quasiment au bout. Ça, c'est abusé. Ce qui fait que, bah, comme j'étais plus présent, il s'est dit, ah bah le mec, il veut sûrement continuer à tourner. Il va pas ajuster sa courbe. Alors que normalement ça devrait remettre les roues droites si on était logique. Vu que je suis pas présent pour appuyer sur le volant. Ben, ça me fume parce qu'en plus tout allait très bien et là d'un coup bim dans un tournant. Là. Heureusement qu'on allait pas vite. Hein. Parce que là c'était ruinage du camion, sachant qu'on était bientôt arrivé, ça aurait été dégueulasse. De toute façon, je regarderai hein, si j'ai le problème en solo. Au pire, hein, pour avant la prochaine fois, je désinstallerai, je réinstallerai le jeu comme t'as fait la dernière fois hein, pour voir si ça corrige. On verra bien. Hein. Parce que bon, c'est relou de jouer avec des soucis. Ah, c'est clair. Mais on l'avait aussi sur le multi, si tu te rappelles, et j'ai jamais désinstallé, réinstallé. Ça le corrige automatiquement, ça. Mmh. Ouais, je pense on que c'est peut-être une erreur de temps en temps. Mais... Bah, je pense que c'est le lien, le problème les contrats externes, parce que regarde, j'ai les contrats traction, mission rapide, j'ai. C'est ça qui est bizarre. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Ouais, toi, je comprends pas, c'est pourquoi ça me fait à toi et pas à moi en fait. Si ce serait un bug. Ouais, mais c'est jamais en même temps, tu remarqueras quand ouais. Tu les as eu toi, ça allait très bien. C'est vrai. Comme si t'as frappé soit des joueurs au hasard, soit une fois que t'es en multi, une personne de ton convoi. Vu qu'on n'a jamais joué plus que deux, c'est compliqué de savoir si ça touche plusieurs personnes en même temps ou une partie du groupe par exemple. Genre si t'es 4, tu vois, ça tombe, t'en as 2 qui l'ont et pas les deux autres. Ou peut-être 3 sur 4, à savoir. Ou peut-être un seul, juste pour faire chier. Ah. Ah
parce que la dernière fois c'est moi qui ai choisi la mission en plus si tu te rappelles parce qu'on a eu le truc DLC aussi et j'ai pu choisir les missions donc tout allait très bien. J'ai pas touché, j'ai juste joué vite fait en solo hein, entre temps. On est arrivé. J'ai pas touché en plus. Bah oui, il reste 8 miles. Bah j'ai vu, c'est sur la droite. Sur la gauche, pardon. On est à Grangeville. Ma seconde ville. Ah non, ma troisième ville d'Idaho. Bah non, c'est pas là. Bah non, c'est à droite. Non, j'ai cru que c'était là où on était arrivé, mais en fait, non, c'est juste que le ouais, symbole. Il reste 2 miles. Oh putain. 45. Le... Ah bah oui, il y a des panneaux, donc la cadence. Le logo de l'entreprise, il... Il traînait avant. Non, il clipping en fait, donc... Ah oui. Ah oui, c'est là, ouais, là, c'est le vrai truc, c'est un rond. Il est arrivé. Nous sommes arrivés, mesdames et messieurs. Ouais. Je mets mon clignotant à gauche. Je ralentis. J'ai envie de dire, je m'en suis sorti vivant. Tournez à gauche. J'ai dû niquer un peu les roues et peut-être les cieux vite fait. Et je tourne à gauche. Il n'y a pas de feu au moins. Non. Il n'y a pas de voiture. Oh, monsieur Butter, si t'as pas vu, il y avait un rond-point. Hein. Comment ça? Allez tout droit. Bah, là où t'as tourné, c'est un rond-point en fait, fallait prendre. Sérieux? J'ai pas vu. Non, c'était pas un rond-point. Même là, j'arrive à me faire douter. Bah, je me suis dit, je suis pas en plein fin, on voit pas très bien. Alors, je me suis dit, est-ce que si je lui sors, il va y croire? Normalement, oui. Allez, j'attends mon tour. Voilà. Est-ce que ça t'a validé la mission? Par rapport au time. Ouais. Vu qu'on n'était pas trop sûr. Temps de transport, bon, 7 heures. Ils m'ont pas dit que. Non, ils m'ont payé. Enfin, j'ai été payé 5000, mais bon. Oui, c'était pas fou par contre. Là... J'ai été payé 7000. Ouais, non, c'est bon, j'ai été payé aussi. Bah, c'était pour nous amener en Idaho, quoi. Merde, j'allais faire quitter, moi, je suis fou. Alors attends, marché du travail. Je regarde au cas où si ça a débloqué ici. Ah, tu vois, c'est aucun contrat, c'est dingue. Hein. Alors, je te laisse regarder, toi, vas-y, regarde si t'en trouves un qui pourrait marcher au cas où. Et pour l'instant, là, je regarde au pire ce qu'il y a en offre de traction. Ah, moi, j'en ai. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Hein. Mais de toute façon, si je te le dis, si j'en mets un, ils vont te dire plateau, mes couilles, donc... Ouais, mais on peut essayer au cas où. Alors, de toute façon, peu importe, regarde, même quand c'était pas des plateaux, on a eu des bugs alors. J'ai un long qui va jusqu'au Nouveau-Mexique. Va jusqu'au Nouveau-Mexique. Un qui va jusqu'au Nevada. Et un qui repart à Seattle. Ok, bah vas-y, teste. Hein. Au cas où j'en ai des beaux. J'ai un convoi de charrues Grangeville-Salina, donc en plein milieu de l'Utah. Merde! Et j'ai Ogden sinon au cas où. Plus au nord, mais je me dis que le truc de charrue, ça peut le faire. Ça nous fait visiter l'Idaho et l'Utah. On est venu pour ça, donc ce serait cool. Donc au cas où, j'ai un double cargaison possible. J'ai de la dynamite, si tu veux, qui va à Provo aussi en Utah, si ça t'intéresse. Attends. On n'a jamais fait marchandises... comment dire ça? Marchandises dangereuses. Voilà, j'attends que t'aies choisi la mission pour voir si ça peut marcher ou pas. Hein. Ah bah, elle a changé. Ouais, elle est cassée. Phoenix. Bah non, Phoenix, c'est fini. Tu sais quoi? On va prendre ça. Alors regarde ce que tu trouves. Ouais. Parce que Albuquerque, c'est fini. Et sinon... Cause B, non. Tac, ça. Non, Cause B, ça va de l'autre côté, il me semble. Non, ça marche pas. Hein. Putain, fais chier. Casse les couilles. Hein. Reste. Grangeville, Artesia, c'était. Je sais pas pourquoi. Bon bah c'est pas grave, on va faire l'émission de fret tranquille et puis Ouais bah ouais, on fait la mission que je t'ai dit alors. Il est temps d'aller travailler.
Moi, j'en ai trouvé une qui va en Utah. Grangeville, qu'est-ce que je t'ai dit? Grangeville, j'ai Moab pour 46 000 dollars. Un trajet de 834, un beau trajet. Là, on va vraiment jusqu'au sud, quasiment sud-est de l'Utah, si ça t'intéresse, pour du bulldozer. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Ogden, là c'est le nord de l'Utah. J'ai Provo pour de la dynamite et j'ai Salina pour de la charrue. Moi Donc, je sais pas si ça t'intéresse. j'ai 5 pages. Hein. Bah, moi j'en ai 4 pour te donner une Moi idée. j'ai. Non, alors là ça part à gauche. J'ai Page. Alors, Page, c'est. Non, ça c'est. Limite. Ouais, C'est je vois où c'est. Arizona, c'est la Ouais, limite. frontière avec l'Utah. C'est quoi la limite? J'ai Barstow. Barstow, c'est de l'autre côté. Ouais, c'est. Par contre, on fait tout l'Utah. On Ah descend bah, en c'est fait. ça On qui est dur. Ouais, c'est fait ce qu'on veut. Idaho, Utah, bout de Nevada et on va Barstow. Attends, c'est où Barstow? En bas en Californie. Bas à droite au milieu. Ah oui, ok, ouais. Vancouver. Ça c'est quoi? C'est Cause B, donc c'est encore de l'autre côté. Ouais, on peut faire ça si tu veux. Enfin, si tu veux, on descend à Barstow, non? Moi, je suis intéressé par Page parce que j'ai jamais foutu les pieds. Ok, va pour Page. Attends. Parce que comme Barstow, j'ai déjà été. C'est Je me parti. dis que c'est plutôt cool. Je crois que c'est une des dernières. Ah ouais, c'est une des dernières villes qui me manque de l'Arizona parce qu'après, il me manque les deux d'en bas. Bah Clifton et dis-moi si tu San peux. Simon. Bah attends, je regarde, hein. Je reviens. Bah je la vois pas pour l'instant. Ça veut dire que je dois faire comme toi et je dois aller la chercher. Ah, bah je suis obligé d'attendre alors. Non, faut que tu viennes avec moi. Oh mon Dieu! Nos deux camions ont fusionné. Tournez à gauche. Vas-y. Au lieu de bouffer là. Ouais, tu vois, tu aurais fait marche arrière tout droit et après t'aurais tourné normal, ben voilà. Imagine si tout droit là-bas. Ah mais t'as bougé là. T'es... Oh là 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 là. Possible, messieurs, dames, c'est pas possible. Vous savez ce qu'il va me dire? Ouais, mais j'ai des lags. Je connais le gaillard. Non, non. Non, j'ai fait marche arrière tout droit à la base. Mais je sais pas, il est monté sur le trottoir. Oui, parce que il a pas été tout droit, parce que vu que t'étais en train de bouffer en même temps, t'as dû prendre un truc dans ton paquet de bonbons et puis voilà. Ah non, je touchais pas au volant. Franchement, je touchais pas aux commandes. J'ai juste fait marche arrière. Je l'ai laissé faire. Et il a grimpé sur le trottoir. Le truc devait pas être droit, je pense. Non, non. Allez tout droit. Vous me dites pas non, Ah non, merde. monsieur, j'ai rien touché. C'est tout droit. Mes touches sont séparées. C'est un clavier. Donc tu peux même pas dire j'ai fait bas, genre avec mon stick et j'ai légèrement dévié à gauche ou à droite. Je t'aurais dit ouais, c'est probable. Voilà, je t'aurais dit c'est de ma faute. Mais là, j'ai vraiment juste lancé la marche arrière. Bizarre, j'ai pas confiance, mais bon. C'est Admettons. vrai. Ben oui. Je vais plus toucher à la direction si j'ai juste Préparez-vous touché à la tourner marche à arrière. gauche. Tourne à gauche. Et si on n'a pas envie. Tournez à C'est cool gauche. en plus, je suis jamais venu ici, donc ça me fait découvrir la map. On visite la ville.
Moi je suis mort de rire si en fait la mission elle marche pas et qu'il faut retourner de l'autre côté pour aller chercher Bah non, non, il y a un vendeur, enfin on va sur une entreprise donc à ce moment-là tu te mets au bout et puis... Oui mais il faut que ce soit une entreprise qui nous propose quelque chose qui nous intéresse dans la direction. Effectivement. Parce que là genre la mission qui allait... Préparez-vous à tourner à gauche. Ah, je ne sais plus attends, où là, attends. Du côté en c'est Utah. Pas là, c'est pas... attends, c'est pas là. Bon, on peut tourner, non, on peut tourner là. Tiens, on peut tourner. Bah oui, ça dit tourner à gauche. Ah non, moi ça m'a dit préparez-vous à tourner à gauche, ça veut dire que c'était pas la bonne entrée, mais bon. C'était oh, cette entrée là, ouais, qui voulait me prendre. Hop. Alors. Alors. Attends. Tac. Je me mets en mode convoi. Et toi en mode convoi. Et je te dis ça. Comment ça en mode convoi? On est en mode convoi. Non, mais dans le menu pour que je puisse voir quand t'auras choisi la mission. Hop. Parce que je peux pas le voir tant que t'as pas pris la mission ici. Continuer. Prendre une mission. Continuer. Elle est bonne. 920 miles pour une bourreuse. Dis-moi que t'as fait exprès de choisir cette mission, à vous. Non, alors. J'ai pas fait gaffe. Mais comment je fais pour choisir la mission? Bah tu cliques... Comment ça marche déjà? Tu cliques j'ai oublié. Et... Bah en fait, tu vas dans convoi. Ah oui, consulter et choisir la même mission, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, ça c'est pas mal, ça nous fait vraiment visiter l'Idaho et tu vois, ça marche. Ça, y a pas de souci ces missions-là. Même si moi je l'avais pas, celle-là je peux la faire avec toi. Et pourtant, attends, je l'accepte pas, je vérifie juste un truc avant. Je veux vérifier un truc. Ouais, pourtant c'est le même symbole, porte-engin, t'as vu? Livraison importante, marchandises de grande valeur, chargement lourd, remorque articulée. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Exactement les... Ouais, c'est exactement les mêmes missions que t'as choisies au début de la session et que ça m'a dit que j'avais pas le droit. Alors que c'est exactement la même chose, c'est les mêmes, la même description. C'est, je trouve ça dingue. Franchement, je le dis, je trouve ça dingue. Le jeu, il fait quand il a envie. C'est bon, j'ai pris la mission. Et oui, je continue à bouffer comme un gros porc parce que la semaine prochaine, j'aurai plus le droit de faire ça. Dis-toi que c'est la dernière fois que je fais ça en stream avec toi. Ah si, en fait, je pourrais, mais il faudra que je choisisse ce que je vais manger. Mais manger un bounty avec les bouts de noix de coco qui vont rester dans les dents, ça j'aurais plus le droit. Donc malheureusement, ouais, j'en profite. Elle est où la remorque? Elle est de l'autre côté? Oh là là, j'ai choisi le mauvais côté. J'aurais peut-être pas dû passer là, mais bon. Et voilà, je suis coincé. C'est tout bon ça. Ah ouais, parce qu'en fait t'es passé dans le hangar toi. Oui. Oh mais t'as choisi compliqué en plus. Attends, la remorque tu l'as équipée de l'autre côté. Ouais. Ah ouais, non mais t'es un fou là. Non mais j'avais après, tu dis... j'avais envie de passer là, c'est bon. Ouais, non mais après il dit que c'est moi qui cherche la merde. Bon, de toute façon le temps que t'arrives Bah ça y est, moi je suis presque bon hein. Mais qui dit je suis ça, à ma remorque hein. Mais qui dit qu'il est presque bon? Je suis en train de faire la marche arrière pour atteler. Sois bon et puis... Tournez à gauche. Mais je suis bon, monsieur, ouais, je suis bah, bon. Rejoins-moi et puis voilà. Attendez, monsieur, calmez-vous. Et donc, c'est quoi alors comme engin? Comment ça, c'est quoi comme engin? La bourreuse? Une bourreuse de 2 tonnes. Ça bourre quoi ce genre de truc? 2 tonnes à quoi 7. Ça sert une bourreuse? Bah c'est pour bourrer. Ouais mais bourrer quoi? Le papier? J'en sais rien moi. Tu bourres ce que tu veux avec? Est-ce que tu peux bourrer des culs? C'est pour bourrer des culs ouais. Non oh, je, attends, je, sur la voiture. Je ne sais pas à quoi ça sert une bourreuse. Comment ça accident? Bah ah oui. Merde, ah il y avait plus de... Ah ouais d'accord, il y avait plus... Ah j'avais pas vu les premières voitures, pardon. Il est passé où lui? Bah sur le côté. Oh, le mec à la Volvo, désolé, la Volvo, j'ai pas vu ta voiture. J'ai pas vu ta voiture. Dit-il alors qu'il a une Volvo lui aussi.
Bah, c'est pour ça que j'ai choisi ça, je pense inconsciemment. Tu te rends compte? Eh, tu te rends compte que ils te font payer un DLC pour 4€ pour pouvoir prendre des machines sur plateau, d'accord? Ouais. Qui eux possèdent la marque Volvo en fait. Ouais. Et tu peux avoir les mêmes machines, donc la même mission gratuitement, sauf que la machine n'aura pas de marque. Il n'aura pas la Volvo écrit dessus. C'est ça. Bon, j'ai effleuré bon la barrière, la sortie. En gros, tu dois payer pour pouvoir mettre une marque sur ta. Ah bah ça t'étonne, pour faire de la pub. Tu veux me dire, oui, t'as fait pareil quand t'as acheté le DLC Goodyear. C'est vrai. Tout à fait, les gars. Voilà, pour faire de la pub, sauf que les Goodyear c'était des pneus que j'ai eu une décoration sur mon. Mais c'est eux qui auraient dû te payer pour faire de la pub. Une décoration sur mon. Comment on appelle ça? À chaque session, tu cites leur nom, je tiens à dire. T'as un homme sandwich. Sur mon. Tourner à gauche. Dis-le, t'as un homme sandwich pour Goodyear. Sur mon trailer. Attention, convoi exceptionnel, monsieur le bus. Ah, c'est bien, on peut le prendre là. Il y a de l'herbe. C'est où, t'as vu un bus? Bah, là, sur la gauche. Ouais, je viens de voir. Et tu peux le prendre large, il y a un tas de terre. Enfin, il y a de l'herbe en face. Bah, je m'inquiète plus pour le bus que pour le tas d'herbe, moi. Par contre, n'oublie pas. Est-ce que j'ai mis mes gyros? J'arrive pas à me rendre compte. Je les vois pas s'allumer. Alors en fait, j'ai même pas mes feux de. Si, attends, tes gyros fonctionnent. Ouais, mais attends, j'ai pas mes autres feux, je crois. Bah, c'est en. Tes rampes, c'est en plein. C'est dans quoi déjà? C'est en plein. Option. Ah, c'est que en plein phare? Bah, je crois. Je sais plus, je me pose la question. Merde, plein phare. En quoi déjà? Ah, attendez, il faut que je ressorte. Plein phare. Ouais, tes rampes s'allument. Les rampes, c'est plein phare. Bon, bah, je reste en plein phare. Bah, tu me diras, en même temps, c'est le jour alors. Bah, oui. Même moi, c'est bizarre que je puisse pas voir, mais. Ah, mais je suis con. J'aurais fait 9, j'aurais su. Bah, ouais. Ouais, mais les gyros, tu vois, tu les vois aléatoirement, les reflets. Ouais. Bonjour à tous ceux qui arrivent, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat pour dire bonjour, pour savoir si vous êtes arrête des humains. Arrête de dire ça, tu leur fais peur. Mais je ne sais jamais si c'est des humains ou pas. Pourquoi? T'es cannibale? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux savoir si tu peux manger des gens? Non, je veux savoir si je peux parler avec eux. Ah, tu veux te faire des amis? T'essaies de gratter l'amitié, je comprends. Non, mais je comprends. Bah, qu'il y ait un échange, quoi. Jackie gratte l'amitié. Ah bah, de toute façon, c'est cool, il fait jour. On va pouvoir rouler bien longtemps. Donc voilà, on est encore au début d'année 2022. J'ai envie de dire, faites une BA, les gars. Devenez amis avec Jackie. Bon, bah, il ramène des meufs au Canada, des trucs chelous, il ramène de la poudre en Idaho, mais vous inquiétez pas, il est sympa le mec. Ah non, alors là, je veux mettre les points sur les T et les barres dans les I. Dans les îles, ouais. C'est mais toi c'est qui nous a fait prendre la cargaison de poudre. Pur hasard. En nous disant que c'était du lait en poudre. Alors franchement, je tiens à dire, j'avais aucune chance de savoir si c'était du lait ou pas. J'ai rencontré le patron de l'entreprise pour la livraison, monsieur Escobar, et il m'a dit si tu pourrais me ramener ça en Idaho à Grangeville, j'ai des contacts, il payait à peu près bien, hein, voilà, pour une courte distance. J'en ai mis dans mon café, je suis resté éveillé 3 jours, s'il te plaît. On t'a déjà dit qu'on ne teste pas la marchandise des autres. Ça, c'est de ta faute. C'était du sucre. Toucher. Tu me dis, c'est du sucre en poudre. Du lait en poudre. Du lait. Mais du lait ou pas, on ne touche pas la marchandise des autres, monsieur. C'est comme ça, c'est une règle d'or. Oui, mais produits laitiers sont des amis pour la vie. Non, ça, c'est faux. Ça, c'est un mensonge d'État, ça. La preuve, il n'y a qu'en France qui faisait cette pub. Je l'ai jamais vu ailleurs. Oh, le camion qui vient faire chier en plein milieu, là. C'est 35.
Non, même pas. Pourquoi il y avait un panneau 35 alors? Parce que il y a des virages Ah oui, et ça va être on nous maintenant. préconise 35 parce que sinon Non, ils disent 30 maintenant. ça va être tendu. Et ouais, donc on déplace une défonceuse, non, Une c'est une boureuse. boureuse. Alors J'ai sache, mon acquis petit des monsieur, qu'une fonctions. défonceuse, ça existe. Alors je Va sais que ça voir. existe c'est comme une perceuse, il y a un truc, ça s'appelle non, une défonceuse. Mais je sais pas si ça existe en objet de comme ça, un truc de chantier là. Ça a l'air trop bizarre, on dirait une cabine de train. Le mec, il est en train d'inventer, il va sortir de la session, il va lui créer une page sur Wikipédia pour justifier que ça existe. Alors sache que je suis déjà en train de le faire. Hein. Comme ça, il sait qu'après je vais aller voir, tac, défonceuse, non, ça, si ça existe, c'est une page wiki, Voilà. source inconnue. Source Michel. Jacques. Non, mais il croit que je le vois pas venir, que je le connais pas. Mais une défonceuse, si ça existe, hein, c'est une sorte Non, mais je vous crois, c'est une sorte de Jackie, on sait que perceuse. c'est un bricoleux. C'est un Une sorte de bricoleux, les gars, on perceuse sait. qui. Ça défonce. C'est un peu le Peter Parker des routiers, quoi, Jackie. T'es un bricoleur, les mecs, bricoleur dans l'âme. Donc, s'il vous dit que ça existe, hein. Il faut pas. Faut pas le contredire. Rappelez-vous, faut faire une bonne action. Quand c'est la vérité, tu peux pas contredire. C'est ridicule. C'est faux, monsieur, c'est faux. L'histoire a montré à maintes reprises qu'on pouvait falsifier la vérité. Et en faire une vérité. Avec la non-vérité. Allez, tout Est-ce que droit. vous me suivez? Ouais. Non. Mais Des mensonges peuvent devenir vérité. Il suffit d'avoir les bonnes personnes au pouvoir pour falsifier tout ça. Voilà, c'est tout. On m'a toujours appris d'histoire, c'est juste une question de point de vue. C'est les gagnants qui écrivent l'histoire. Ah ouais, Donc, ça c'est connu. Si les mecs ils ont envie de cacher des trucs qu'ils ont fait, genre torturer Attention, des ça mecs ralentit fort. ou ce genre de choses. Je veux dire, comment t'iras vérifier si c'était vrai? T'étais pas là, dans les années 60 au Vietnam par exemple. Hein, qu'il y a eu des viols Ah oui, mais là, ça de c'est pas une femmes. vérité racontée par les vainqueurs, c'est une vérité racontée par les mecs qui étaient là-bas. Par les perdants, puisque c'est les Américains qui ont dit oui, on a vu des mecs en train de violer Oui, parce qu'on vit dans un monde un peu plus moderne des où on fillettes. finit par avouer certains trucs. Voilà. Mais à une époque, ça se faisait pas, Des genre au mineurs. Moyen-Âge. La Première Guerre Quoi? mondiale, est-ce que Accident? je dois vérifier? Comment ça, accident? Je crois que Ah, c'est pour ça que. je crois que Oui, t'as rappelé la j'ai voiture. râpé. C'est pour ça que j'allais dire, elle avance plus. Putain, on est en montée là? Ouais. Préparez-vous Parce que je à me disais, tourner ouais, à ça gauche. avance plus. De toute Je suis façon, à c'est 32. 30... Bah, de toute façon, c'est 35, donc. Oh, bah c'est bon alors. On va tourner à gauche. Et après, c'est encore moins, donc. Il y a un feu rouge. Tournez à gauche. Non, il n'y a pas de Bah feu oui, il y rouge, a un c'est feu juste un rouge. stop. Que je ne fais pas d'ailleurs. Pourquoi leur truc ça ressemble à un panneau feu rouge alors? À chaque fois? J'ai toujours l'impression que ce panneau de signalisation ça annonce un feu rouge. Ça fait trois feux du plus petit au plus grand. Ouais, On est où là? McCall. 45 il propose ici, fais gaffe. Hein. Bah, le temps que j'accélère, en plus il y a de la montée, donc. Ouais, c'est bon, en fait c'est large. Par contre, tu sais, dans les événements dynamiques, quand il y a certains endroits, il y a des panneaux qui disent attention, chute de pierre. Bah, il devrait de temps en temps, tu passes et il y a juste une voiture de flic ou deux qui met les gyros en disant faites gaffe, il y a eu un éboulement, quoi. Et pourquoi pas juste des gamins qui te caillassent? Oh putain! 25! Oh là!
Fais gaffe, y'a un fils de pute. Bah, je vois ça, ouais. Il est entre nous deux. Je suis en train de passer, hein. Le mec qui arrive de ma gauche, de ma droite, il dit... Bah, je continue d'avancer. Bon, après, je ne sais pas si c'était une priorité à droite ou pas. Je sais pas comment ça marche. Il sortait d'un parking. Je sais pas comment ça marche aux États-Unis. Non, il sortait d'un parking, donc tu étais prioritaire. Ah oui, je suis sur une route... Moi aussi, j'ai ripé la voiture qui s'est stationnée. Tenez à droite. Pour ma défense, j'avoue que j'ai cru que ça passait large. Allez, désolé pour votre 4x4. De toute façon, c'est pas dur. Si je veux tourner à gauche, je peux pas. Et à droite, il y a des barrières. En même temps, c'est qui le con qui a garé sa voiture ici? Mais c'est con parce qu'ils mettent des routes qui tournent à gauche. Et sur le plan, il y est pas. Oui. Et il te le barre, bah à ce moment-là, t'en mets pas ou... Ou alors il y a une caméra ici. Ou alors tu le laisses. Tu laisses la route à gauche, quoi. Et tu peux y accéder, même. Qui va sur... On a fait tous les deux notre accident, hein. Ouais, bah là, c'est une remarque que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris ça. C'est vrai. Non, mais comme ça, au moins, l'Idaho se rappellera de nous. Le Jackie Michel était ici. Mais je respecte rien du tout, c'est 65 qui m'a dit. Voilà, ici 10:45 quand même, on va se calmer un peu. J'étais en pleine accélération là. Ça va, camion? Ah, ça me manque le temps où je klaxonnais à chaque fois que je voyais un camion parce que c'était des vrais gens quand on était sur le multi. C'est vrai. Maintenant, je sais que c'est des IA, trop bien, y'a rien à carrer. Salaud. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas la circulation. Donc quand tu croisais un camion, t'étais content de klaxonner en te disant « Tiens, il y a un... C'est vrai. Il y a un vrai gars. 45. » Alors que maintenant, le seul gars, c'est Jackie devant moi, là-bas. On sait pas où il est, en plus. Il est au loin. Je suis devant. C'est sympa, l'Idaho. Je suis en train ouais, de dire. C'est boiseux. C'est verdoyant, ouais. C'est boisé. Ça, ouais, ça reste une continuité un peu avec l'Oregon, quoi. Mmh. Ouais, j'ai fait un peu le fou, j'avoue. 60 au lieu de 45, j'avoue, fais pas le fou. Je me laisse couler, hein. Carrément. C'est joli le coin, ouais. Un beau coup. Ça donne envie de revenir en camping-car. Bah, tant qu'à faire, ouais. Pourquoi pas. Wow, dégâts 8%. Ah ouais. Ah mais j'ai eu le lag là dans le tournant, là ça c'est vicieux. Ah c'est vicieux, effectivement. J'avoue que là, attends, j'ai plus de lag depuis tout à l'heure, d'un coup je me suis pris... Vicieux. Je me suis pris des petits poteaux là, qu'il y a sur le côté. Ah oui, non mais faut faire gaffe avec les cargaisons aussi. Non, c'est l'avant du camion qui a pris, c'est pas la cargaison. C'est pour ça que ça me dégoûte un peu quoi, bon après c'est pas grave, je paierai mais... Non, je m'en sors bien. Franchement, heureusement que je roulais pas vite parce que là, genre à 60, j'ai le lag comme ça, je me prends le poteau, il n'y a plus de camion. Je roule à moitié. De toute façon, je roule au milieu de la route hein, quand il n'y a pas de voiture. Bah, j'étais parti pour aller au milieu de la route, parce mais que vu les virages... Bah, moi aussi, mais comme si ça tournait, ça tournait si vers la droite. J'ai pas envie d'accrocher. Le truc c'est que ça tournait à droite, donc moi j'ai commencé à tourner pour prendre mon virage, mais comme il y a eu de lag, quand je suis réapparu, j'étais dans le poteau. Suffit de une seconde et demie, ça suffit pour t'envoyer dans le décor. Ça c'est comme si tu fermais les yeux pendant que t'es en train de conduire.
C'est le genre de jeu auquel il faut pas avoir lieu. Ah ouais, non, mais ici, voilà, faut pas que ça le fasse. Ah. Parce que là, ici, tu je ralentis parce que j'ai... Parce que ici, c'est vraiment le ravin, si tu... J'ai de la pesée. Ok, bah j'arrive, je suis derrière. Ah ouais. Wow. Parce que ouais, ici, le problème, c'est qu'il y avait pas les barrières. Si j'avais une lag et je partais à droite, j'aurais fini dans le ravin, là, j'aurais été dans le caca. Allez, petite pesée, là. C'est pour ça que je me suis pas énervé, calcul parce que finalement calcul. Je me suis dit je m'en sors bien. Calcul d'un même si ça me fait chier les 8% de dégâts quand même quoi, j'irai m'apparaître avant de faire mes dernières missions cadeaux. Un nouvel itinéraire. Un petit peu déçu quoi. Non mais comme on aura fait, bah moi c'est bon, j'ai pas besoin de la peser. T'as pas besoin de la peser? Non, donc je t'attends si je peux voir où aller la peser. Allez, voilà, bah, ça m'aura permis de... ça m'aura permis de te rattraper. Ce patron, oh là là, si ça c'est pas de la manœuvre. Qu'est-ce qui se passait? Bah il y avait, t'as vu les voitures que t'as bloquées? En fait il y a un camion qui s'est arrêté pour me laisser passer. Donc. Ah putain. Ouais non mais justement t'as vu, donc moi j'aurais été bloqué derrière même si je suis passé par la pesée, j'ai fait une petite chicane. En fait je suis arrivé pile 10 cm derrière toi. Je les ai carottes. J'ai profité le fait que tu les avais tous arrêtés. Par contre j'ai failli me reprendre la vague là, ça aurait pu être vicieux. Heureusement que je l'ai pas eu quand je me suis incrusté comme ça. Là j'aurais fini dans la station de pesée. Non mais ce qui me gonfle c'est que ça allait bien d'un coup et puis les lags sont revenus. Alors que depuis le début, je m'étais pas plein. Attention, il y a une voiture sur le bas côté. Ah, j'ai vu ça. Tenez la droite. Deux voitures. Continuez tout droit. Il y a la police. Non, je sais même pas. Allez tout droit. Non, tenez la droite qu'il... et continue tout droit. Ouais, en d'accord, gros, ils disent, te mets pas sur la voie de gauche pour tourner, c'est ça. Bon, de toute façon, on peut pas y aller. Oui, de toute façon. Ah, soyons clairs, nous, on n'a pas le droit. Ah merde, c'est 55 ici. On va se calmer un peu là, j'étais lancé moi. Ah, de toute façon, il y a un feu rouge. Prépare-toi à freiner. Oh le lag, oh le lag, oh le. Bon, j'ai freiné sec, mais genre 50 mètres, 100 mètres avant toi. Parce que je t'avoue, je me suis dit le. Je le sentais pas. Mais j'ai bien fait. Sinon, j'aurais fini dans le contraint. Ouais, on est parti. Donc, t'as tes petits fagnons derrière. Par contre, je vais te laisser de l'avance. Un petit fagnon rouge pour dire. Allez tout droit. Il y a un feu encore là. Refeu rouge. Ouais, je te laisse la marge de sécurité parce que. Je me dis que si j'ai le lag quand il faut freiner comme ça sur un enchaînement de feux rouges, je vais finir en toi. Mine de rien, il nous reste encore 736 miles. C'est pas mal, ça nous fait une belle. C'est un grand trajet. Non, mais c'est cool parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait un long trajet, je trouve aussi. C'est vrai. Le train, il ne passe pas. C'est dommage. Un C4, il faudrait se faire un trajet, nord-ouest de Washington, genre Port Angeles. Et aller jusqu'au Nouveau-Mexique, jusqu'au Nouveau-Mexique, vers Roswell, traverser tout en biais. Ça serait notre plus gros trajet, je pense. Feu vert, attention, il va passer au rouge. Tenez la droite, puis tournez à droite. Fais gaffe parce que c'est une bretelle. Ah ouais. Je suis au rouge, moi. Ah ouais, je t'attends. Je... Tournez à droite. Oh là là. J'ai eu des petits lags en prenant la sortie. La bretelle. C'est une sortie? Ouais, c'est une bretelle de rentrée sur autoroute. Je vais pas vite, histoire que tu me rattrapes. Bah, je viens de passer au vert là, ça va. Ouais, je te vois.
Alors c'est où pour rentrer? À droite. Ah oui, ok. Ah ouais, non, nous on n'a pas le droit d'aller tout droit en fait. Non mais parce que je me posais la question. Ce qu'il y avait en face. Bon, ça descend, on va se laisser couler. Alors, est-ce qu'il y a de la bagnole? Angle mort, c'est bon. Ok. Je suis sur l'autoroute. Je m'élance. Bon, en tout cas, de l'autoroute, ça fait du bien. Oh putain, le lag, les gars. J'en ai un petit peu. Putain. Ah, ça fait flipper quand ça prend net d'un coup. Je vais me mettre voie de droite. Tu me dis quand sur ton GPS tu me vois? Bah je te vois un peu au loin. Alors je sais pas à combien ça correspond, je dirais un miles d'écart. Putain, les lags ici. J'accélère parce que j'étais à vraiment... Ah, moi je suis à 57 ou à 58. Parce que ça a l'air de monter. Putain, j'ai l'impression un peu. Ouais, je suis en train de te rattraper, je crois que c'est toi que je vois devant, je suis pas sûr, ouais. De toute façon... Confirme. Non. Tenez la gauche. Fais gaffe, il y a une voiture qui arrive. T'es pas sur la bonne voie, oh là là, le danger. J'étais pas sur la bonne voie, effectivement. Ah, il y avait la police surtout, juste derrière toi. Sur ta gauche, là, elle passe. Ah, moi je m'en sors bien, j'ai réussi à m'infiltrer limite, hein. Parce que j'ai passé la ligne continue aussi. Normalement, c'est pas autorisé ce genre de passement. Ah, ça monte. Ça monte. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que quand ça monte, ça descend. Si on n'est pas en Utah là, vu le côté désertique d'un coup, je me posais la question. Bah, je vais te dire ça. Quand j'adore d'atteindre 60, et puis je te dis ça. Ah, si on a le 70, c'est pas vers l'Utah par là qu'il y a les 70, les routes là, rapides. Parce que j'ai pas fait gaffe s'il y avait un panneau Welcome to Utah. On l'a vu pour l'Idaho. Je crois qu'on est en Utah. Et y a pas un bed and breakfast? Un bed and breakfast? Non. J'ai vu qu'en bas il y a un hamburger, je crois. Sur la droite. Non, ce serait dimanche, on est vendredi. Ce serait dimanche, on aurait pu aller au brunch. Ouais, on aurait pu bruncher. Putain, mais comment je peux aller plus vite que les voitures devant moi? Ça me fume à chaque fois. C'est dingue d'aller plus vite que ces voitures, mais doublez-le ce camion. Doublez-le, c'est Jackie. Mais c'est pas moi. Bah si, c'est toi devant, il y a deux voitures derrière toi. Non. Mais pourquoi il me double pas? Ah bah j'en sais rien moi.
Il y en a une qui t'a doublé, mais les deux là, elles veulent pas. Ah, celle devant moi, elle a tenté sa chance. Eh non, elle se rabat. On sait pas pourquoi elle s'est rabattue. Ah, elle retente sa chance. Elle se rabat. Ah, mais elle a peur des voitures qui arrivent. C'est une flipette. Je pense qu'elle a un moteur de merde. Ah, elle retente sa chance. Mais si elle continue, je vais finir par la bloquer. C'est ça le pire. Si elle me ralentissait pas, en fait, j'aurais bloqué le chemin. Putain, elle avance pas, elle arrive même pas à doubler la voiture. Elle est sur ton côté. Ah, ça y est, je crois qu'elle double. Ouais, elle double. Ah, bah putain, il était temps. Hein. La rouge? Bon, ouais. La Range Rover. Et une voisine, il y en a une blanche derrière, ça va encore. Et moi, je suis juste derrière. Maintenant, ça commence à me rappeler l'Arizona à ce coin-là. Ouais. C'est vrai. Allez, je prends l'aspiration. Vas-y, aspire. Il pleut. C'est vrai qu'on n'a pas encore connu la pluie dans cette session. Ah, ça me fait plaisir. Attention tes pneus. Le temps est changeant. Le temps est changé, ouais. Il faisait un beau soleil. C'est agréable. Bah, j'avoue, c'est devenu tout gris. Et on arrive dans la pluie. Tempête tropicale. Il n'y a pas de brouillard, ça c'est cool. Une légère brumette. Ouais, il y a une petite brumette. Vivement qu'ils incorporent les saisons. Ouais. Ça pourrait être vachement cool. Tenez la droite. C'est... Ah merde, faut la droite. Vas-y, je te laisse passer. Sortez à droite. Fou furieux. Sérieux, qui passe comme ça? C'est Fast and Furious avec des camions maintenant. Ah bah oui. Les mecs ils conduisent comme des tarés. Chienne de ta race. Qu'est-ce qu'il y a? Pesé? Il a pesé encore. Moi j'ai pas besoin. Donc je te suis. Calcul d'un nouvel itinéraire en cours. Aller tout droit. C'est où le PG? C'est là. Non, elle est carrément plus loin, non? Non, je suis sur la voie de la PG. Ouais, non, mais t'es sur la voie, mais elle était là où je suis, là. Ah oui, complètement. C'est ce que je voulais dire. Mais j'étais derrière deux camions, je savais pas si j'étais sur la bonne voie ou pas. Bah, j'avoue qu'on voyait pas bien, ça je confirme. Allez!
Je laisse passer les deux cons. Je suis sur ta droite. Ouais, je te vois, bah je te vois. Enfin, tu laisses passer les deux cons, ça commence. Bah, je les ai laissés passer. Non, non, il y en a un. Il en reste encore? Ah, ouais. Ah, bah, ils étaient trois alors. T'as coupé. Ah, peut-être. Tu m'as dit, ils étaient deux, j'en ai laissé passer. Bah, j'en deux. Avais moi, deux devant moi, après, j'ai pas vu le. S'il y en avait pas. Bah, non, mais après, j'ai cru que c'était toi qui allais arriver. C'est ce que je me suis dit. Bon, c'est pas grave, il y en a. Oh, oui, j'aurais pu aussi, c'est vrai. Mais j'en ai profité pour faire la coupure en fait. Mais il avance pas le mec devant moi, qu'est-ce qu'il fait? Il roule à 30. Eh hey, grand-père, barre-toi. Tu fais quoi lui? Le mec il roule à 40. Maintenant il va accélérer maintenant que je veux le doubler. Accélérer votre camion. En fait, il avait un camion pourri, c'est ça. Ouais. Il n'arrivait pas à se taper la montée. Mais je crois que sa bétonnière elle est pleine. Bah, j'imagine, ouais. Ah, j'ai envie de dire, j'espère pour lui. Enfin, si ça tourne pas, c'est que c'est pas plein. Ah bah, je vous avoue, pour le détail, j'ai pas vérifié. C'est bon, il sort en plus. Ça, c'est bon. Il va se coucher. Il va faire dodo. T'es où, au fait? Parce que comme je te vois pas sur le GPS... J'arrive, je suis derrière. Je te vois loin, mais j'arrive. Bon. Qui était censé être entre nous deux, peut-être qu'il est sorti aussi entre temps, j'en sais rien. Ah non, je l'ai doublé. Ah bah ben oui, tu l'as doublé, c'est vrai. C'est quoi devant? Il y a un but, j'ai l'impression, là-bas. De toute façon, je double pas. Hein. Je te laisse me rejoindre. Je reste sur ma voie de droite. C'est un bus. Bus scolaire, ça. Il y a des petits enfants à fumer. Ah, c'est bus scolaire de long parcours. Oh, on peut rouler à 80 ici. Je suis déçu, j'aurais dû prendre mon dragster. Ouais, surtout pour tracter. C'est du lourd, le Peterbilt ou le Kenworth, c'est des bons, en fait. Eh ben, la pluie, elle veut pas s'arrêter. Ah, il tourne, c'est bon. Casse-toi. Merci, dégage le bus. Voilà, je vais pouvoir rouvrir ma vitesse de croisière. Ah, je te vois arriver, c'est bon. Regarde. Je regarde le GPS. Monsieur est sur la voie de gauche, hein? Ouais. Si je lis bien le GPS, ouais. Ah oui, je te vois dans le rétro. Ouais, bah, tiens ta droite. Ha ha ha.
là tu peux t'abattre. Ouais, je t'appelais 65, je suis en fond. Bah moi je suis en train de reprendre, je suis à 62 là. Je remonte. Bah je t'ai dit, je savais qu'avec le bus ça allait te permettre de pouvoir t'abattre. Par contre la voiture qui vient se mettre en plein milieu là, j'aime pas trop beaucoup ça. Elle s'est mise bien entre nous deux pour doubler dans une heure. Là on est bien, là on est sur une... Voilà, là on est nickel, ouais. Je sais même pas si c'est une highway, une speedway. C'est beau. Je sais pas. Je dirais speedway. Ah, il y a une université dans le coin. C'est quoi ici? Merde, j'ai pas pu voir. Je sais pas c'est quoi qu'on vient de passer, il y a une ville ici. Mais on la voit pas sur la map à cause de toutes les bretelles. Donc ça doit être une grande ville. À droite, non, c'était pas une ville. À peser. Alors elle est où la pesée? À droite. Toi aussi tu dois la faire? Ouais. Je me suis fait toutes les pesées, à part une je crois. Ouais, ça c'était mon cul, Michel. C'est la pluie. Oui, bah oui, je sais. La merde du raté. Avant tout, c'est l'homme, mais... Ça, je voulais refaire une poussette du raté. Tu aurais quand même mis des dégâts. Hein. C'est vrai? Ah bah oui. T'importe. Merde, ah, putain, j'avais pas vu. Tu m'as tapé dans le cul, ça a mis je sais pas combien, mais... Ah, j'ai pris 1%, t'as pas pu prendre plus. Attends. Je vais aller pas vite. Attention, il y a un camion derrière. Tu m'as mis 3 sur la remorque. Ah putain, désolé. C'était pas voulu. C'était... Je voulais tamponner pour que tu sentes que j'étais derrière. Façon tamponneuse. Mais la cargaison n'a rien eu. Ah bah c'est très bien, bah oui j'ai touché la remorque, pas la cargaison. Vu qu'elle est pas directement reliée à l'arrière. Je pense que ça joue. La gauche. Ah. Faut que je tiens la voie de gauche. Ouais, attention, il y a un camion. Vas-y, passe. Ça y est. Ouais, parce que s'il avait continué à accélérer, tu te le prenais. Lui, il aurait pas qu'effleuré ta cargaison. Il te l'aurait défloré avec. Oh putain, les retours des lacs, c'est bon. En ligne droite, ça va encore, je m'en fous. De toute façon, il faudrait que j'aille réparer. J'avais déjà du dégât de oh là là, qu'est-ce qu'il pleut, c'est relou. Enfin, j'avoue que là, on a fou pleu. J'aime bien quand il y a de la pluie ou des petits trucs. Mais pas autant. Plus ah, mais c'est peut-être parce qu'on est sur ma session. Ah ouais, t'as peut-être mis beaucoup de... Ah bah j'ai rééquilibré un peu plus parce que j'ai trouvé que les barres elles étaient très basses. Même en termes de déviation ou les trucs comme ça, j'en avais pas beaucoup ces derniers temps. Bah bien si tu regardes bien les déviations. C'est mon clignotant. Moi. Déviation on en a quasi pas et événements spéciaux, y'en a pas. Sinon solo j'en ai eu pas mal depuis que j'avais retouché les barres justement. Bah j'ai eu des accidents, des petits trucs, mais un peu plus que ces derniers temps. Et la pluie, c'est pareil, j'ai remonté un peu la barre parce que elle était vraiment elle était au Air Max. Pas de connexion réseau. Bah pourtant je suis là. Toujours là. Ah non. Ah bah. Ça m'a quitté. Sérieux? Ouais. Ah oui, t'es connecté. La connexion avec le serveur a été perdue. Vous avez été déconnecté de la session. Ah mais c'est abusé, je suis encore là. Pourtant je suis toujours dans la session moi. Bah accepter la progression. Continuer et puis bah je vais continuer la route. Maintenant bah, il fait nuit. Tenez la gauche. Maintenant il fait nuit. Ah oui, ça tient, j'étais dans ta session. Sinon au pire tu peux revenir dans le convoi, ça te remet. Hein. Bah, je vais suffit que je t'attende un peu plus loin parce que là je suis à une entrée d'autoroute. Donc j'essaye de faire le gaffe. Convoi.
accès au convoi en cours. Une erreur s'est produite en se connectant à la session. Je recommence. Ah, mais je cherche pas. Ah, mais ça me fait des lags en plus quand tu essaies de te connecter. Ah bah ouais. Ah, Ça y est, si, ça y est. connecté. Ah, mais je te dis, ça tombe, ça se fait les bugs, tu sais, comme t'avais quand t'as désinstallé et réinstallé. Peut-être devoir faire pareil. Oh putain, ils m'ont arrêté en plein milieu de la route. Ah, ben oui! C'est pour ça que je t'ai dit que je ralentis. Je sais même pas où Je t'es. roule T'es à 15. derrière? C'est Pas du bon? tout droit. Non, non, je suis tout droit. Ouais, mais ça me dit pas en fait, je vois pas sur le GPS. Attends. Bah, accélère. Va tout droit, va tout droit, je suis loin. Il te reste combien de miles à faire, dis-moi. Moi, je suis à 404. Ah oui, t'es devant bien loin. Ah bah oui. Même si je roule pas vite, je roule. Parce que je pouvais pas m'arrêter où j'étais. C'est bon, je te rejoins. Vas-y, vas-y. Je m'arrête pas totalement parce que sinon tu vas arriver à fond de balle et... Donc je roule tranquille, je suis entre 30 et 35 là pour l'instant. Tu devrais vite me rattraper normalement, temps de te lancer un peu. Ah, t'as récupéré la pluie. Tenez la Bah, il y avait la pluie, je sais pas, coupe. apparemment j'ai récupéré la pluie aussi sur ma session. Comme il faisait nuit, je m'étais dit peut-être qu'il t'avait enlevé la pluie. Et de nuit aussi. Est-ce quoi 380 miles, 90 miles à faire? J'hésite, je me suis acheté des pains au chocolat en conserve. Ouais. Ah, tu fais chauffer? Ouais. Ouais, c'est pas mal, il me semble. Hein. Ouais, ça vaut pas la boulangerie, mais. Bah, j'ai pris pour tester C'est en pas fait. dégueu. Ah ouais, non, Parce que c'est je pas me suis dit, au dégueu, je moins, vais je peux gagner les moins. faire quand je veux. Oui. J'avais déjà testé, il me Mais semble, il dedans y a il y en a 30 ans. plusieurs et le problème c'est que je voulais en faire qu'un donc je sais pas si je peux en sortir que Ah bah un et alors je sais plus, je crois peut-être que oui, il me semble, parce que je crois que tu les. De toute façon, faut les mettre correctement, même quand tu les mets au four. Mais le truc, c'est qu'une fois que ça va être ouvert, ta date de péremption de la boîte, elle veut plus rien dire, quoi. Ah ouais. Parce qu'ils seront tous tout vides. Ah, on est à Provo. Ah ouais, donc on se rapproche. Oui, on est à la moitié en fait, on est au milieu de l'Utah là à peu près. Ouais, Franck Provo, ouais, tout à fait. Tiens, c'est pas lui justement, gars. Non, attends, c'est qui? C'est Jean-Louis David qui a eu des histoires là. Ça parle de toll ou je sais plus quoi là, il y a J'arrive quelques sur temps, ta là, il y a droite. 2 semaines. Ah, je suis à droite, hein. Donc je peux Non, c'est pas réaccélérer? ça. Ah ouais, je te vois. Vas-y, je suis à 70. J'accélère, j'accélère. C'est bon, je me rabats. Je déconne. Oh, le danger. Non, mais t'as remarqué, il a failli me branler. C'est bon, Je je peux me t'avoue, j'ai ravaner. failli me la branler. Ah ouais, vas-y, t'es large. Ouais, mais bon, Bah, c'est je t'ai dit, jamais. j'étais pas lancé. Bah, attends, t'étais à fond, moi, j'étais pas du tout lancé, j'étais à 40. C'est vrai. Ouh là, il y a eu des lags. Et donc, Ouais, tu me dis je. que Franck Provost ou Jean-Louis David. Voilà, je crois que c'est Jean-Louis David, ouais, qui a eu le truc de fiscal ou je sais plus quoi, il me semble. Alors, Jean-Louis? Ouais, j'ai été Bobby. Je me suis dit c'est pas cool. Oh putain, le changement de voie, Oh rétrécissement de putain, voie oh putain, ici. oh putain! Qu'est-ce qui se passe? Bah, full lag. Ah bah, pour une fois que c'est pas moi. T'as eu de la chance, la voiture elle m'a laissé passer. Ah, il y a un Le panneau lumineux, j'ai pas eu le rétrécissement temps de voir ce que ça disait. En même temps, il faut que je lis, il faut que j'essaye de de voie. Il y a la traduire. pluie. Ils disent de pas voir, bon ouais. Là c'est les messages de sécurité quoi en Comment gros. ça, pas boire bourré? Très conscient.
Vous avez le droit de boire, mais seulement si vous êtes pas bourré. Si vous êtes déjà bourré, vous arrêtez de boire. C'est la fatigue, je suis plus habitué à mon trajet, c'est ça, voilà. Oh putain, non mais qu'est-ce qui tombe là d'un coup? Il y a l'orage, ça y est. Ah moi j'ai pas d'orage, mais petit brouillard, on va dire, mais on va dire petit brouillard. Ah bah putain, moi c'est très épais, j'ai eu un éclair. Là je vois quasiment plus à 50 mètres devant moi. Je vois à peine la voiture devant moi. Ouais, c'est vrai que là ouais ça commence à se... Par contre je pense qu'ils ont encore des petits soucis avec Ah là je serais dans un film d'horreur, je te avec dirais, le fait de dans The Fog. Ouais. Avec la météo ou quoi que ce soit, parce que j'ai du lag. Ah j'ai eu un éclair. Ah bah tu vois on l'a eu en même temps. Non il y a un décalage, je l'ai eu après que tu l'aies dit. Enfin avant que tu l'aies dit. Ah bah moi aussi. Ouais, donc on a dû la voir. C'est le temps de réaction, quoi. Et je l'ai pas vu devant, je l'ai vu sur le côté. Sa lumière bleue, donc elle devait être derrière moi, en fait. Sur le côté. Ouais, pareil. Oh, ouais. J'ai l'impression de le voir vers l'arrière. Ouais. Je confirme que j'ai le même sentiment. J'ai un camion. Ta moyenne voiture, elle avançait pas. Et maintenant elle double. Par la droite, elle s'ouvre vraiment de ma gueule la voiture. Alors elle roule à 50-55 grand max juste avant. J'ai du lag, c'est embêtant. Ah non mais je confirme. Et encore là ça va, on est sur des routes quand même propres. Ah oui, oui. Ça tourne pas dans tous les sens quoi, c'est pas là le où c'est. C'est plus chiant quand tu dois prendre une sortie. Là ouais. Ça c'est un coup avoir un accident de ouf si tu t'y attends pas. Éclair. Allez, on est passé sous la barre des 300 miles. Ça va, tu rattrapes? Bah je te vois au loin sur mon GPS. Ah c'est parce que je suis à 70. Bah, le truc c'est que j'ai été ralenti. Non, parce j'aime que, bien quand j'ai une cargaison accrochée derrière. Bah, non, c'est pas... Je dépasse pas les 65. Et là j'ai réussi à atteindre 70. Ouais, ça dépend, je comprends pas trop non plus des fois. Bon, en tout cas, je m'étais pas trompé. Maintenant qu'il y a les éclairs, il faut qu'ils fassent les nouveaux trucs du genre l'éclair qui tombe sur le côté de la route ou en plein milieu de la route, devant toi. Faire peur. Ou qui touche un PNJ. Mais pourquoi pas toi? Faire un accident. Crainte ton camion. Un Deven quoi, tu sais. Ouais bah l'Utah c'est pas cool en tout cas, on voit rien. Ah bah là si tu veux voir du paysage. J'ai découvert du paysage de l'Utah, on aura vu que le nord. Parce que là, plus on va vers le sud, moins on voit. Tiens à le dire. C'est ça, camion bouge. Marteau de la route. Oh putain. Ah, ça fait du bien de tracer. Ah bah là, tu vas pouvoir me rejoindre parce que. Il y a blocus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a blocus. Il y a blocus, carrément. Comment ça se fait? Il y a un camion à droite. Il y a une voiture qui le double et qui reste à son niveau sur la gauche. Et en face, t'as deux camions qui font pareil. Ah bah, j'ai la même merde derrière. J'ai un blocus de voiture. Ah, ça y est, la voiture, elle accélère.
Ou le camion il ralentit. Non, je crois qu'il tourne. Il a ralenti parce qu'il tourne à droite. Donc finalement, je pourrais pas te rattraper. Finalement, je me remets sur ma ligne droite. Enfin, sur ma ligne de droite, pardon. Ma voie de droite. Pourquoi ma femme m'appelle ? Non, mais elle sait qu'à cette heure-ci, je vais pas répondre. Sachant que j'ai pas mon téléphone à côté de moi, vu qu'il charge. Tais-toi. Oh putain. Oui, allô, qu'est-ce qui s'est passé ? Un fantôme. Comment ça, un fantôme ? J'ai le poignet qui vibre à mort en plus. Bah, il y a une image rémanescente de toi qui a pop en plein milieu de la route. Et pour moi, c'est un camion qui est topé net. La panique. Faux d'éclairage. Oh putain. Mais ils sont allumés mes phares. Non mais attends, pourquoi je me fais harceler? Attends, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça 75? Depuis quand je peux atteindre cette vitesse? Faites pas des trucs comme ça, ça me perturbe quoi. Je mettais mes phares et donc je me suis trompé de touche pour faire droite. Non mais je suis en train de me faire harceler au téléphone. Et le poignet, ça aurait pu vibrer. Pourquoi ah merde, j'ai allumé mes feux de détresse moi. En voulant tourner à droite quand je regardais. C'est Dark City. Non mais je suis en train de me faire harceler là. Ce serait pas important? Bah si, mais c'est compliqué là. Il y a des voies. Essaye de te mettre sur attends, la droite. Ouais, je me mets sur le côté. Hop, je vais me garer aussi. Je vais mettre feu de détresse. Frein de parking. Ouais, à spécialement. Attends. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Non mais marcelez pas, j'ai compris qu'on marcelait. Attends, je coupe mon micro 2 secondes. Ouais. Bonjour. Alors, nous on est à Cedar City. Dark Miss, il est derrière. Ça va, il est pas très loin. Et il nous reste. Ah bon, on est quasi arrivé. C'est cool, on est quasi arrivé. On se fait une petite sortie là. Hop. Et on est arrivé à Page. C'est petit Page, hein. Y a pas beaucoup de... Ouais, pas beaucoup d'entreprises. Ça, c'est ça qui me dérange un peu, faire des villes. T'as quoi? T'as Walmart, un petit machin, un petit truc. Je sais pas, il faudrait un... Bon, après, je ne sais pas comment c'est vraiment, mais... Là, des... Bon, là, c'est un... C'est une pesée, mais je sais pas, là, des maisons, des trucs... Si, t'as de quoi faire, quoi. Moins que ce soit une montagne, mais... J'en doute. Ah, le Grand Canyon Village, il est là. Y'a pas un truc du Grand Canyon ? Petite ville du Grand Canyon. Ah non, c'est pas le Grand Canyon ici, c'est Flagstaff. Ok. Ok, ok. Là, il y a de l'essence. Mais il y a une station d'essence ici.
Y a pas un truc pour s'arrêter, c'est dommage. Dommage, dommage. Bon. En attendant, on va regarder vite fait. Je vais regarder vite fait la gestion de mes chauffeurs. Voir comment ça avance. Alors, fragile, bah ça avance. Économie de carburant, il ne l'a pas encore fait. Fragile, ouais, ça démarre doucement. Fragile, il est bien avancé, lui. Ah, fragile, je vais te mettre économie de carburant. Ouais, puis moi je suis quasi full, hein. Attends, elle est où elle? Gyps. Alors, Salem Hobbs. Ah non, elle transporte du gypse. D'accord. Il travaille pas. D'accord. Elle travaille pas. Bulldozer. Machin Salem, ouais. Vue de la carte, ils sont où? Il y en a un qui est ici. C'est qui? C'est lui qui transporte le bulldozer, d'accord. Donc, il est parti. Il est parti d'ici. Et il va jusqu'à Salem. Il rentre à la maison. Je crois qu'il habite Salem, lui. Je suis pas sûr. Roswell. Elle arrive. Ah bah elle est en train d'arriver, c'est cool. Elle a fini son trajet. Ouais, c'est en pause, ok. Alors j'espère que tout va bien pour mon ami Michel, parce que son téléphone a sonné avec insistance. Ah oui, je me disais bien, en fait, ça a pas coupé, ça a pas enlevé la coupure micro. Je me disais bien, il m'entendait pas. D'accord. Tu sais que je suis devant toi depuis tout à l'heure. Ah! Je pensais que ça avait Ah oui! enlevé. D'accord. Je racontais des horreurs en plus. Attendez, hop. Non. Je parlais de fin Tac. du monde, de crise Tac. cardiaque. Regarde vite, c'est bon. Et non, tout va bien. C'est juste qu'il y avait quelqu'un à la porte qui avait pas de clé. D'accord. Ouh! Là, je me suis pris une grosse éclair. Et qu'est-ce que je vais dire? Et je me suis repris, alors je sais pas pourquoi, je me suis repris encore un défaut d'éclairage. Mes phares étaient encore à nouveau éteints alors que je les ai allumés juste avant de me mettre sur le bas-côté, sachant que j'ai pas coupé le moteur, donc mes phares, je vois Je pas suis là, pourquoi je ils suis là, étaient éteints. avance. Bah attends, il y a un camion qui essaye de s'insérer Ah non, il y a devant. une voiture qui est arrêtée en plein milieu de la route et qui... Bah oui, D'accord. en même temps, je m'étais arrêté en plein milieu. Non, mais j'étais Pour devant remettre le toi. micro. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Attends, problème là, problème. On va bientôt Pourquoi tout... mon OBS? On va bientôt sortir. Attends, je suis sur le côté, je suis sur le côté. Ok. Gros problème. Là, il faut qu'on m'explique. Alors, ok, Discord est là. Par contre, pourquoi mon OBS il s'est éteint tout seul? J'enregistrais mon camion d'avance. Attends, là, il faut m'expliquer. J'espère que j'ai pas fait de conneries, moi. Ah, bah là, il me dit qu'il est en cours. Attends, je comprends rien. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais pourquoi il est plus là, OBS? Bah oui, je savais bien, j'ai vu le logo. Ah, bah voilà, maintenant. Voilà. Non, mais c'est bon. Je sais pas.
C'est... Alors je sais pas, il a carrément disparu de la barre des tâches et il s'est mis en mode disparition, ben, il s'est mis en mode ghost. Bon, je vois pas, hein. T'es devant, je vois. Oh. Il fait quoi le camion? Mais il est fou, il voit que je veux m'insérer sur la voie pour revenir sur la route, il est sur la voie de gauche, il s'est mis sur la voie de droite, pile à l'endroit où je suis. Il Ah, fout ça ma y gueule. est, Eva, là, elle est finie, ça? Ouais, il est maudit cet épisode. Eh, il pleut plus. Ah, moi aussi, Est-ce qu'il a il remarqué? pleut à fond et il y a des éclairs. Ah bah moi ça vient de s'arrêter. Et ça Faut lag à mettre... mort, même à balle. Bah non, moi ça va, là c'est fluide. Ah non, micro lag, allez. Le petit micro lag. Je suis derrière toi. Je te vois au bout du GPS. Mais ouais, là je sais pas, j'ai... La technologie est contre moi, entre la Discord qui a pas voulu remettre le micro alors que j'ai appuyé. Putain, ça fait des lags, Entre je fais des Omer droites gauche, je ne sais pas pourquoi. c'est horrible. Ah bah t'es pas le seul, un camion devant moi, j'ai l'impression qu'il roule Tenez la droite, puis bourré. Sans sortez. Déconner, je suis On pas. Ah merde, oh le lag. sort. Ah. Ah bah je crois que les camions devant moi Sortez aussi à ils sortent. droite. Bah tu sais quoi, je vais rester sur Il faut ma pas. voie, je Oh vais... là 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 là. Il y a du Qu'est-ce lag, faut que... pas rouler vite. Parce que le virage il est très serré. Et Bah n'oublie je pas vois que ça, t'as je une grosse cargaison de Ouais. bourreuse ou une Ouais. défonceuse, je sais plus. Une bourreuse. Ben oui, je vois que t'es en plein dedans. Et on est bientôt arrivé. Bientôt, Ouais. 160 miles, quoi. Ouais, mais j'ai vu qu'on était. Oh là 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 là. Vas-y, 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 je passe. Parce que je te vois arriver vite, toi. Allez tout droit. Ah ouais, le virage, il disait de le prendre à 25, la bretelle, là. Ah oui, en plus avec la pluie, j'ai dit vas-y, je freine un peu. Bah moi, j'ai plus la pluie, donc ça Ah bah va. ça y est, il pleut plus. Non, ça, c'est parce que t'es sous un pont. Ah, c'est plus un pont, c'est un tunnel. Allez, tout droit, ok, c'est bon. Je suis sur la bonne voie. Là où t'es là? Ah oui, non mais il y a un truc. Ah non, non. Allez tout droit. Oh putain. Il y a un camion qui arrive là à ton niveau. J'ai failli me le prendre. Il y a un point là-bas, un gros point d'exclamation, non? C'est quoi ça? Putain, j'ai eu le lag dans le petit virage avant le feu. J'ai failli me prendre une citerne. Oh Non, une là. bétonneuse. Pourquoi le jeu nous en veut comme ça? Pourtant, des fois, ça se passe nickel, tout est fluide, il n'y a pas de C'est vrai. souci. Mais aujourd'hui, il y a zéro fluidité entre la vie réelle et le jeu. Là, il y a tout C'est qui se met ça, c'est les en folles, branle. c'est nos folles aventures. Ah ouais, non, mais là, c'est vraiment les folles aventures, ouais. C'est parti. Même OBS, il est en train de me faire chier là. J'étais à l'arrêt, le truc qui passait à 40, 50 FPS. Et sachant que je parle pas des FPS genre pile, hein. C'était genre 41, 47, 51, 50. Il avait envie de faire chier, là il est repassé à 60 normal. Alors qu'il n'y a rien sur le PC. Tenez la droite, puis tournez à Donc droite. il faut Ah. m'expliquer ce qui lui est arrivé. Donc il y a bien un truc avec le jeu, je pense. Généralement, pour que les FPS Tenez à ils droite, bougent comme feu ça. rouge et on tourne à droite. Tournez à droite. Par contre, j'arrive pas à voir c'est quoi, pourquoi il y a un gros point d'exclamation bizarre là devant. C'est un truc de route, je crois. Je vois, c'est un truc de route, C'est une borne, censé représenter une c'est. Bah, borne. c'est. Ça veut dire qu'on est sur la route, je sais plus quoi. Putain, D'accord. oh putain! J'arrive, hein, je viens de passer le feu rouge, moi. Je crois que j'ai frotté le feu.
Inventer le feu, bah c'est bon, je pourrais passer s'il n'y a plus de feu. Ah non, je l'ai pas arraché, je l'ai frotté. Alors là, t'aurais pu l'arracher, faire un effort. Alors, à votre avis, est-ce que ça tient jusque là-bas? Ou il faut que je m'arrête fortement dans la station service? Bah je t'avoue que j'approche de la réserve aussi, mais sans moi, tu... moi je suis dans la réserve. Ouais non, moi je pense que je passe, normalement je suis dans le bien. Je serai limite, mais je pense que ça passe. Là il y a une lumière rouge qui clignote dans le ciel. Dans le doute, je vais m'arrêter. La station service. Elle est où ta station service? Plus loin. Plus loin devant. Oh putain, elle a monté avec ce tournant là. Oui, ça monte. Même bien. Ça va, j'ai évité le feu rouge. J'ai touché le trottoir, mais pas le feu normalement. Je me suis dit, y'a personne, je me le prends large. C'est les grues ou les trucs comme ça ou il y a ça? Sinon c'est que c'est un building. Putain, ça avance pas. C'est censé être 40 normalement, je galère à être à 26. Bon, moi je risque pas l'accident ici. Oh là là. Non, ah, ça y est, j'accélère. Je vais pas assez vite là pour avoir un accident. Ah, quand même un peu de route pour arriver à la station service. Ah bah carrément même, j'ai envie de dire. Parce qu'en plus je te vois même pas, donc ça doit être super loin quand même. Il te reste combien de miles à faire? 105. Tenez, ah, la droite. On a quasiment 15 miles d'écart. Là j'ai dû ralentir parce que c'est 40. Ah bah moi aussi je viens de repasser seulement à 65 à l'instant. Oh putain, une âme. Ah, non, je peux pas. J'ai croisé un bus. Ah, je commence à revoir un tout petit peu ton nom loin sur le GPS. C'est pour ça que j'aime bien les longues courses, parce qu'il faut gérer l'essence. Sachant que t'as repris de l'essence avant moi tout à l'heure. Hein. Ah non, non, c'était au début de la deuxième... C'était au début et dans la cargaison d'avant. Oui, c'est ce que je te dis, mais moi j'ai pas repris d'essence. J'ai toujours la même essence, moi. Ah bon? Mais oui. J'ai pas pris d'essence tout à l'heure quand t'en as pris, il me semble. Ah oui, mais moi j'ai peut-être mis... J'ai mis réaliste. Consommation d'essence. Puis tourner à gauche. On tourne à gauche. Mais il me semble pas que j'ai pris de l'essence. Ou même dans le pire des cas, je l'ai pris en même temps que toi. Tourner à gauche. Ouais, j'ai mon réservoir est peut-être moins... Ouais, on doit pas avoir le même réservoir, je pense. Le chien. Ce que je te dis, moi, il doit me rester un quart. Je suis encore au-dessus de la réserve. Je vais approcher la réserve avant qu'on arrive, je pense. Mais je t'ai dit, normalement, je suis bon, moi. Et encore, on n'a pas mis le fait de dormir. Oui. Oui, parce que là, on y aurait eu droit. Oh putain, les lags, pas dans les tournants, s'il vous plaît. Virage où il faut tourner à gauche. Ah bah je te vois ton nom là. T'es un peu
plus loin, toi. Tu vas disparaître. Butters. Ah non, c'est bon. Je le revois vu que j'ai tourné à gauche. J'étais en montée, donc... Ah non, mais je te vois, là. Non, parce que t'étais en train de disparaître, tu sais, parce que ça suit mon orientation, le GPS. Oui. Ouah, le camion qui a pop d'un coup sur la droite. Un camion stationné. J'avoue que ça monte. Je crois que je viens de passer un panneau. Un panneau quoi? Qui dit que... Bienvenue à Page. Welcome... Non, qu'on change de... Ah oui, c'est vrai que Page est à la frontière, ouais. Ouais, tu dois pas être très loin de la frontière, normalement. Quoique Page, normalement, notre arrivée, c'est, ça doit être collé à la frontière, donc... je sais pas si tu l'aurais déjà, le panneau. Je sais pas, j'ai vu un panneau... Est-ce que t'es à quoi, à 60 miles à peu près? Au début de la ville, j'ai vu un panneau, mais il était dans l'ombre. Ah. Est-ce que j'ai ça me paraît un peu tôt? Je pense que c'est plutôt la dernière ville de l'État et que... Parce que normalement, c'est Page la première. Elle est vraiment collée quasiment à la ligne. Ouais, c'est 45 en ville. Ouais, je vois Monsieur Butters, il est au feu. Vas-y, c'est vert. Je suis derrière toi. J'aime taper le rouge, moi, vu comment ils vont pas avancer. Je les connais. Je vois Butters, je vois son chargement. Bon, de toute façon, c'est... si on tourne à droite, j'ai le droit de passer. Ah, mais il tourne pas, si, c'est bon. Allez, go, go, go. Oh non, le camion, il va tout droit, lui, non? Non, c'est bon, il tourne, allez. Non, salaud. Oh, les deux voitures, elles ont tourné à droite et pas le camion. Putain, les lacs de mort. Tenez la droite, puis continuez tout droit. J'avoue que cet épisode-là, il va faire au moins 25 minutes. Allez, je me demande si je vais pas couper ce voyage en trois parties, finalement. Allez, où en deux. Allez, en trois, je sais plus. Allez, c'est quand que c'est vert? On se bouge. La bétonneuse de mes couilles. Ben, tu fais quoi, toi? Non, rien. C'est toi, tu prends Putain. De l'essence. Je me demande si je prends de l'essence pour être tranquille ici ou pas. En même temps, je vais devoir réparer quand même plus tard, alors... Je peux faire tout ça à Page. Je suis toujours pas dans la réserve. Et il nous reste 50. Ah, mais t'es à la station, là? Ah, merde. Faites demi-tour. Je frotte. Alors, quand vous frottez comme ça, il y a une deuxième technique. Qui s'appelle je vais prendre large. Et comme je vais prendre large, qu'est-ce qu'il fout? Je prends large. Recherche d'un nouvel itinéraire. Bah, prends l'argent, ça sera plus simple. Hein. Tournez à gauche. Voilà. En plus, il y avait un bus qui était coincé au milieu de la route, il voulait pas tourner. Ouais, aussi, qui était au feu rouge, l'enfoiré. Oui, je dis, bah, putain, il est long le feu, je regarde, il y avait pas de feu. Il est toujours. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait, connard? C'est sur lui que tu râlais. Bah, ouais, je te confirme, il est toujours là. Bouge ta caisse. Et là, du coup, je vais faire comme un gros sale. La sortie? La marche arrière. Oh là là. Bon, je vais pas faire tout le tour de la station pour revenir. Bah, ça aurait été plus simple. Comment ça, plus simple? D'où la simplicité vient se mettre là-dedans. Voilà. Et hop. C'est reparti comme en 40. Pas vu, pas pris. Que tu dis? Regardez, c'est beau ça. Canab. Je ne sais pas ce que ça veut dire. T'es Canab. Mais nous venons de passer devant Canab.
travail d'écriture, j'ai écrit les cadavres. Ah, voilà. Oh putain, j'ai failli me faire une Jeep. J'ai le plein d'essence. On est bientôt arrivé. C'est nickel. Bah moi, j'irai faire le plein pour aller faire mes cadeaux la prochaine fois. C'est vrai que je vais aller faire mes cadeaux. Putain, le lag sort. On est combien, je sais pas. C'est jusqu'à dimanche, on est le 11. Ah bah je vois ça jeudi. Ouais, non mais on est bon, on est large. Hein. Moi j'en ferai peut-être un demain, j'en fais deux ce week-end et c'est bon, on n'en parle plus. Hein. Quoique demain j'ai dit je vais peut-être sortir, je sais pas, je vais voir. Bon après une petite mission. Oula. Petite mission. Ça va vite, tu prends un truc 200-300 miles. Ouais, il y a une pesée, il n'y a pas d'annonce. Si tu t'arranges pour aller sur ceux qui sont pas terminés. Bah c'est ce que je fais en général. Ah, pesée, tu vois, je l'avais dit. J'ai vu la pesée et je me suis dit tiens, est-ce qu'on va nous la refiler, la dernière du voyage. Ok, il y a un camion devant moi qui avance pas. Enfin, qui avance pas. Qui avance plus. Je veux dire qu'en même temps, moi non plus, j'avance pas. Et voici le panneau, monsieur dame. Ah non, j'ai cru que c'était un panneau qui disait bienvenue en. Mais non. Merde, j'ai pas vu Page à combien. Non, c'est très bientôt. Il y avait un panneau. Oui, oui. Non, mais il y avait un panneau à la sortie de la pesée. Ça doit être 10 à peu près. Bah oui, c'est juste après la pesée. Il y a même un point de. Oui, un panneau. Un point d'intérêt. Je crois. Oui, oui, je le vois d'ici. Ah, je vois le drapeau rouge, ça y est. Ah, de la pesée. Allez, une dernière. Oh, bah ça va, t'es juste derrière moi alors. Une dernière pour le fun. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire. C'est quoi le point d'intérêt ici? Le pont, j'ai l'impression que je suis en train de traverser une prison. Tu me diras ce que t'en penses après. Mais j'ai l'impression d'être dans un quartier haute sécurité. On se croirait dans les films de zombies, quand ils font les. Il manque juste les barrages de chaque côté du pont et on est bien. Tiens, en parlant de films de zombies, oui. J'ai vu une bande-annonce d'une. Encore d'une série coréenne qui arrive. Laquelle? High School, Zombie, oui. High School. Des jeunes qui sont à l'école et il y a des zombies. Enfin, vu comment ils courent, pour moi c'est désinfecté, mais. Ouais, ils sont plus infectés parce que les zombies ils ont un peu de mal avec ça, je trouve. Putain, il y avait une station-service tellement simple ici. Je crois que ça ressemble à. Zombies de Busan, là, du dernier train pour Busan. Ouais, voilà, c'est dans cet esprit-là. Est-ce qu'on va avoir une. Est-ce que le mec est pas trop con et qu'il a mélangé son. Non, mais le problème, c'est qu'en ce moment, c'est depuis Squid Game, dès qu'il y a une série coréenne qui sort, c'est genre, c'est le truc de ouf et tu tombes sur un truc qui est pas terrible. Ouais, mal Carson, mais pas parce qu'elle est bien, quoi, malheureusement. Regarde, il y en a deux qui sont sortis depuis, t'en entends plus parler. Hein. El Bund et le truc Lunacy, si je me trompe pas le nom. Lunarcy, un truc comme ça. Ah oui. Bah, j'ai regardé El Bund, c'est pas mal, mais c'est pas ouf, quoi. Bah, j'ai regardé El Bund, et là, faut que je me fasse Lunarcy, ouais. Ouais. Bon. Mais j'ai trouvé Squid Game tellement mauvais déjà, alors quand on me dit que les autres c'est mieux. Alors par contre, si vous voyez, donc là on a la vue sur un barrage, mais est-ce qu'on peut l'emprunter? Je pense pas. Non. Mais c'est un joli barrage. Je suis arrivé. Je pensais qu'on pouvait rouler sur le barrage. Ouais, sain et sauf. C'est le cas de le dire. Visitor Center, information, d'accord. Pfff. Est-ce qu'on peut passer sur le barrage? Ah non, il y a des barrières, on peut pas passer sur le barrage.
J'avoue que ça aurait été épique, hein, ce voyage. Combien ça coûtait, ce voyage? Pas mal. 51 000 Mais dollars. c'est vrai que ça aurait été cool si on aurait pu passer sur le Et un barrage. niveau? Très bien. Le point, je le mettrai plus tard parce que je suis toujours pour le mettre. Bah, franchement, à part les livraisons juste à temps, il me manque Bon, plus 3 points. Sachant que je peux en on l'a mettre un, il me déjà manque fait, plus 2 hein, points. là. On l'a déjà fait, le barrage. Je ne sais plus où, mais je sais qu'il y a un barrage et on a déjà déposé des marchandises. Oui, je me rappelle. Bien vu. Tiens, juste 2 secondes comme ça, contrat externe. Ah, et puis maintenant je les ai, les contrats externes, c'est ouf. Tu le crois, ça? Est-ce que tu crois ça? Ouais, je le crois. Non, mais c'est dingue quand même. Maintenant qu'on en a plus besoin, on a fini notre session, là, c'est mort. J'en ai plein. Préparez-vous à Oh, tourner je à suis gauche. tellement dégoûté. Oula, j'ai fabriqué un bouchon, monsieur Dame. C'est pas grave. Tourner à gauche. Au moins j'ai fait le point d'intérêt, j'aurais plus besoin de le faire quand je passerai devant. Bah moi j'ai découvert Page, hein. J'étais jamais venu comme je t'avais dit. Donc c'est cool. Moi j'étais du jeu. Mais il n'y avait pas le point d'intérêt à l'époque. Ah, effectivement, là la station service était plus facile pour ça. À tourner à droite. Pour bah carrément. J'ai pris de l'essence ici, moi. Ah bah ouais, non mais moi j'étais en réserve. Tourner à droite. Ouais. Alors, je Ah, il prends manque large. 2 villes ici. Il manque 2 villes C'est ici. terminé. Il m'en manque 5 au Nouveau-Mexique. Bon, l'Utah, forcément. En Californie, il m'en manque quand même encore 3, je crois. Ouais, 3. Attends. Non, plus. Je dis des conneries. Ah non, ça, c'est l'Oregon, Medford. Coos Bay, tout ça. Alors... Là où j'en ai le plus, c'est Washington. Hein. J'ai beaucoup de trucs à faire à Washington. Alors, je me suis fait 55, pas mal. Ouais, non, ça va, la mission en plus, elle a Ah oui, parce rapporté, que quoi. en plus j'ai eu le bonus de livraison urgente parce que je suis niveau 3 et j'ai su qu'après que en fait quand t'as un point, t'es pas obligé de le mettre, tu cliques sur la croix en haut à droite et c'est fini. Ah. Ça l'enlève, mais c'est parce que j'ai tout fait sauf la livraison urgente et je me suis dit, bah j'ai pas envie de le faire parce que ça va me mettre des missions livraison urgente et ça va me casser les couilles. Et puis en fait, j'en ai mis un ou deux, je crois. Bah, je suis à niveau 3 et puis le dernier là, j'en ai encore un et j'ai pas mis. Parce que je me suis aperçu que si je fais croix, ça l'enlève. Bon bah voilà. Ah bah ouais, bon c'était quand même une belle session, hein. Dommage que les contrats externes se sont réveillés une fois que notre session est finie, ça c'est un peu Ouais. dégueulasse je trouve. Ça c'est un peu sale. On va s'arrêter là. Est-ce Attendez. qu'il y a un truc pour réparer dans le coin? Ah bah oui, juste à côté, bah c'est très bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à si vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à aller voir en bas de la vidéo et aller sur cliquer sur le lien pour YouTube, aller voir mes vidéos sur YouTube. Et sur YouTube, bah rejoignez-nous sur Twitch. C'est Michel. Bah Jackie, à bientôt hein, C'était pour une cool. prochaine session, en espérant qu'on aura moins de soucis que cette fois-là. Effectivement, j'espère qu'on aura moins de problèmes. Je vous dis à Parce que tous. Ah oui, vas-y. je dis ouais, parce que c'est dommage quoi qu'on n'ait pas pu Oui, c'est vrai finir nos cadeaux ici, que hein. finir On aurait eu largement le temps. nos trucs de Noël, ouais. Donc je vous dis à tous, prenez soin de vous. À À bientôt. bientôt. Ciao les amis.